Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dimanche angoissant où nous allons nous attaquer à la suite de Bioshock premier du nom. Comment on dit en anglais? First of name. Donc nous petit rappel socio-historico-contextuel du jeu. Nous évoluons dans une cité sous-marine, subaquatique. Suite à un crash d'avion, nous nous sommes retrouvés face à un phare au milieu de nulle part. Nous sommes rentrés dedans et puis nous sommes descendus dans les fins fonds d'une cité sous-marine où apparemment il s'est passé des sortes d'expériences, hein, on peut dire ça comme ça, qui ont alterné en partie l'humanité qui s'y trouve et qui se retrouve pour la plupart être des bêtes sauvages à la recherche de certains produits qui font que l'on développe des capacités extraordinaires. Ça va, c'est bien résumé. Tu crois que j'ai besoin de vernir ou tu crois que j'ai besoin d'enlever le truc ou pas? De décaper un peu ou pas? Non. Je regarde juste si ça fonctionne. Bon, Wisebot est là. Darwin, coucou Darwin, comment vas-tu? Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors, quoi de beau, mon bon Darwin? On crève de chaud. Ah si, moi je crève de chaud. Bon, Manon pas trop, mais moi je crève de chaud. J'ai tout. D'ailleurs, je me demande si on va pas allumer le ventilateur pour... j'aime pas la chaleur. Je suis de ceux qui n'aiment pas la chaleur. Et toi-même, Darwin, à l'approche des vacances, maintenant, tu n'es plus qu'à quelques jours. Il l'est déjà. Ah bon? Ah oui, tu es peut-être même déjà... Tu es déjà en vacances. Donc, comme on dit en jeune, tu dois kiffer ta race, toi qui aimes ça. Et donc nous voilà qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, ah, ça nous rappelle un peu. Alors comment on utilise les armes déjà? D'accord. Non, j'essaie de retrouver le... D'accord, ok. J'ai gaspillé des munitions, c'est bien. Ah, mais il y a des armes, c'est bien. Je suis en vacances depuis le 17 juin, mais c'est trop. Mais c'est trop, Darwin. Non, c'est jamais assez. Arrête un peu de dire c'est trop, ça va pas. C'est pas assez, Darwin. Je te comprends. Alors aujourd'hui, on ne sera peut-être pas nombreux. Ouh. Because match de foot. À 15h. Mais on reste là, on reste fidèle, on reste fort. On reste beau. Ah, je peux améliorer mes pouvoirs. Yep, Ragnam, comment vas-tu? Oui, donc je disais, on risque de ne pas être nombreux. Psychalide n'a pas accès au net. Il y a un match de foot qui logiquement devrait... intéresser les gens. Intensifier la douleur à partir de 12 ans. Ouais, on va peut-être améliorer ça, non? Est-ce qu'on améliore quoi? Les plasmides? La force physique? Augmente la résistance? Ah, c'est peut-être pas mal d'augmenter la résistance. Surtout que moi, je suis faible. Réduit les dégâts physiques. Utile en toute situation délicate, l'armure corporelle offre une excellente protection contre les petits tracas. Allez, hop, on va se mettre une armure. Ah non, ça a pas l'air de marcher. Bon bah j'ai rien compris. J'ai pas besoin de vernir le dos. Ah moi j'aime bien le foot. Hmm, j'ai pas besoin de vernir le dos. Non, pas besoin de vernir le dos, non. Alors, où dois-je aller? Par là-bas. Alors, comment y aller? That's the question.
D'ailleurs, si jamais quelqu'un a un œil dessus à partir de 15h et qu'il peut nous tenir au courant, me tenir au courant, parce que moi ça m'intéresse, des résultats, enfin de l'avancée du match. C'est un rôle pour Ragnam. Voilà, Ragnam, tu as ton rôle, tu as ton objectif. Tu vois, maintenant tu sais que tu peux mourir en paix. Tu as un but dans la vie. Oh, un poisson. Qui vient ramper dans mon jardin? Une sorte de gollum dans le coin. Hop, une mitraillette, ça c'est cool. Une trousse de soins, c'est encore plus cool. Ah, comment on se soigne déjà? Je sais plus. Difficile de faire un... C'est donc un beau dimanche, mon bon Darwin. On va pas pirater ça. On va... Ah! Il y a un gros. Est-ce que je... Oui, je suis obligé de le tuer, le gros. Ouh, il lance des grenades! C'est un gros, mais qui lance des grenades. Ah, je lui ai... Il a pris cher, là. Bon, c'est un... Oh là là! Oh, je crois que je suis mort. Je suis mort, hein? Ouais, je suis mort. Il semblerait que la vie ait quitté mon corps. Mon 13$, ça se ramasse toujours. Mince, du coup, je sais plus où je devais aller. Ni même. De quoi? 13$, tu ramasses, quoi. Bah oui. Alors, c'est BioShock. C'est l'histoire d'un mec. Non, oui, c'est l'histoire d'un mec complètement fou furieux qui a décidé de créer sa cité parfaite, entre guillemets. À savoir basé sur la supériorité de certains types d'humains sur d'autres, et le tout galvanisé aux améliorations, je crois, génétiques. Donc il a fait des surhommes un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une mine explosive. Ah merde, j'ai pas mis d'eau. Et donc dans cette cité, il y a des choses bizarres, notamment des petites sœurs, là, c'est les filles, qui apparemment ont été... sont des enfants qui ont été enlevés très jeunes et qui ont été modifiés aussi génétiquement. Et nous, on a accepté la mission d'essayer de les sauver, les petites sœurs, sauf qu'elles sont protégées par... Elles sont protégées par ces gros trucs-là que vous voyez, qu'on appelle les Big Daddy. Ouais. Et qui, eux, se rendent pas compte. Voilà, et qui eux ne se rendent pas compte. Ils sont conçus pour les protéger, donc ils savent pas qu'on vient les sauver. Pour eux, on agresse les petites sœurs. Alors on avait un choix moral en fait entre sauver les petites sœurs ou prendre leur pouvoir. Moi, j'ai choisi le plus difficile, à savoir les sauver. C'est pour ça que je meurs. Mais j'ai fait plaisir à Manon. Ah, non, mince. Mais eux, quand tu reviens à la vie, comme c'est dans une chambre de régénération, eux ne sont pas... Oui, eux, ils continuent de garder les blessures qu'ils ont. Voilà, conservent les blessures qu'ils ont. Donc ça, c'est pas mal, parce que sinon, j'aurais jamais fini. Oh, un poisson mort. Il y a un petit poisson mort qui se remue. C'est qu'il n'est pas encore mort. Oh là, on me tire dessus. Ah, mais c'est un Dalek. Mais où suis-je? C'est de là où je viens? C'est là où j'étais tout à l'heure? Ah, là, il n'y a plus le gros. Oh là là! Mais lui, en plus, on ne peut pas le pirater. El Pescado. La Dorade, même. El Dorado. Comment on saute dans ce jeu? Non. Ah, là, voilà. Je viens d'utiliser
deux trousses de soins en cherchant le bouton pour sauter. Ah, Psychalide ! Alors ça ? Moi qui ai annoncé ton absence ? Comment vas-tu ? Ah, bonjour Darwin et Manon de Ragnam. Hola. Je suis là, mais ça drop à mort. Ah, là, ça s'entretue apparemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, nous, de participer au massacre. Oh là là! Voilà, ça c'est fait. Où est le second? Ah, ça c'est un Big Daddy. On va essayer de pas la dague. Je suis mort! Je sais pas comment ça se fait, je suis mort! Tu nous fais des niches? Des niches de... Je sais pas, je fais des niches apparemment. Oh, j'ai encore gaspillé de la vie. Vertige de la niche. Alors. RIP 2 déjà. Oh là 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 là. Non, peut-être 3 même, non? Oui, 3 RIP. Donc carré pour recharger. Très bizarre ce vernis. Oh là là! Ah, j'ai même plus de quoi me soigner. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh là là. Et voilà, je suis mort. Je suis mort, mais j'ai bien blessé le... Des niches, c'est des blagues. Ah, d'accord. Je connaissais pas. On t'aime, Rip. Oui, c'est moi. Alors là, ça commence à aller pas bien. Normalement, c'est là que je peux récupérer mon amélioration génétique, mais je comprends rien. Je comprends rien au système. Attire un objet. Ah, je peux enlever, je peux récupérer l'arc électrique. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool, je vais garder le feu et l'arc électrique, comme ça je vais pouvoir... Ah, d'accord, ça c'est génial. Voici les fortifiants physiques, d'accord, très bien. Donc, quand vous parvenez à pirater, je gagne de la santé, ça c'est pas mal. Et l'autre, c'est des trousses. Restaure aussi votre Ève. Ouais, non. Restaure légèrement plus de santé. Ouais, ça c'est bien, parce que vu que j'ai du mal avec ma santé. Là, apparemment, j'ai rien encore. Réduit la difficulté des piratages, mais j'ai pas encore d'objet. Et là, qu'est-ce que j'ai? MJ aussi nous a fait une niche. Toujours parvenu, moi enfin j'y croyais pas. MJ Michael Jackson. Pourquoi ça te fait rire, Manon? Je sais pas, moi Michael Jackson à chaque fois que ça me fait rire. Enfin, ça me fait Michael Jackson. Je suis à moitié AFK. Je connaissais JSK. Non, DSK. JFK. C'est quoi AFK? JFK comme John Fitzgerald Kennedy. Bon, on va aller pirater le truc de santé qu'il y a là-bas. On dirait une sorte de glu, ce vernis. Très bizarre. Ouais, j'ai récupéré l'arc électrique. Je sais pas si ça marche bien sur les petits frères, là. Away. Oh, il est là! Alors, est-ce que ça craint l'électricité? Non, ça craint pas vraiment l'électricité, ça. Oh là là. Apparemment ça craint plus le feu. Donc tiens, on claque des doigts, on balance la flamme. Ah, j'ai plus d'Ève. On va lui balancer. Oh mince, j'ai balancé dans le vide. J'avais... Bon ben, aïe. Et voilà. Non mais moi je touche pas le keyboard. Donc déjà par défaut tout ce qui concerne un keyboard, ça me dépasse. Et tout ce qui touche de près ou de loin à l'anglais, vu que c'est Brexité maintenant.
nous fais pas dans l'international. Bon, allez, on va acheter une trousse de soins, tant pis. Voilà, hop. Mais j'ai plus de munitions. Ok. That's all right. AFK. Je retiens. Il n'y aura plus besoin de me le dire. De quoi? AFK. Away from keyboard. Ça veut dire pas tout à fait. Enfin, pas. Loin de mon clavier. Voilà, loin de mon clavier. Enfin, pas. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là 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 là. Ça commence pas bien. Ah, si, pas mal là. Ah non, faut pas que je me touche avec cette substance toxique. Non, il faut éviter de se toucher avec des substances toxiques, c'est pas. Mais non, c'est pas recommandé. Avec le vernis. Comme je suis allergique, bah vaut mieux pas. Sinon, voilà. Hop, et quand on doit finir, c'est quoi déjà? Terminé. Ouais. Il y a le AFK bio pour quand tu vas aux chiottes par exemple, et le AFK miam quand tu vas manger. D'accord, et toi c'est un AFK jeu, un AFK game. Bah c'est pour te dire qu'il y a plusieurs raisons d'être away from keyboard. Ah, oui. Et qu'il y a des termes génériques pour te dire je suis loin de mon écran. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher. Voilà. Voilà, je lui en ai mis 4 dans la figure. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Plus de munitions. Ouais, chouette. On va l'incinérer. Tiens, prends ça. Crame. Et moi, je me fais. Et je suis mort. Keyboard, c'est le clavier. Je croyais que c'était tableau des clés. Ça va pas du tout, moi. Qui c'est qui croyait ça? Darwin. Darwin, attention, le bac, c'est l'année prochaine, hein. L'anglais. Attention, hein, Darwin. Ah, et la pub, j'imagine qu'elle bug pas, elle. Hein. Ah non, si la pub, elle drop. Bon, tu viens de me contredire à l'instant. J'ai plus une seule munition. Donc je vais devoir le tuer à main. Alors ouais, c'était un peu la crainte de l'ami CMGES là, il y a 2 semaines. C'est que le fait que je choisisse de sauver les petites sœurs me rallonge considérablement le jeu parce qu'il faut tuer les. Il est tout excité. Et puis que du coup t'es obligé de te faire tous les. Pour avoir une bonne fin. Là il se bat, il perd la vie tout seul. On peut les laisser se battre entre eux. Hein. En fait, ça lui fait rien perdre l'incinération. Ah, quasiment. Oh, j'ai plus de munitions. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces mines qui traînent maintenant? Ah, ou. Bon, ben voilà. Ah, ou. Et voilà, remords. À chaque fois que je vais sur le live, au début, je dois me taper une pub. Ah, ça c'est pénible. Est-ce qu'il y a des munitions? Ah, bah je vais acheter des munitions. Ça coûte cher. T'achètes des munitions? Ouais. C'est quoi ce jeu où t'achètes des munitions? Ça coûte super cher. Je me ruine. Et non, je n'ai pas fini Alien. C'est un douloureux constat. Mais non, je n'ai toujours pas fini Alien. Oh, je gaspille tout mon pognon. Bon, on va essayer de survivre cette fois.
Ah, ils sont là. Oh là, il a pas aimé. Attention! Je vais retourner en arrière. Je m'en vais. Je vais me soigner. Je m'en vais. Et ouais, ça sera pour une prochaine fois. Ah, il est là. Je l'ai eu! Non, je l'ai pas eu. Ça y est, je crois que je l'ai eu. Oui! Faut que j'aille sauver la petite. Ah ouh! Voilà. Alors, comment on fait sauver? Voilà, je sauve la petite fille. Tu as raison, faut prendre ton. Oui, là, pour Alien, je prends bien mon temps. Et l'angle là, vous voyez, je sauve la petite fille. Ah, ça me fait gagner du pognon en plus. Et pas mal. Bah oui, toujours. T'as dit que ça ferait une contrepartie. Acheter des trousses de soins à un distributeur. Un pistolet arrivé. Vous manquez de pistolet. Bon, bah j'ai réussi. Allez. C'est bien. On est en bonne voie. Il y a toujours le poisson qui saute. Si vous êtes coincé, maintenez ça pour activer un conseil. Non, mais de toute façon, je dois suivre la flèche. Fontaine. Calice. Ah non, caisse. Oh, des munitions! Ah oui, Darwin, tu n'as pas joué à mal dessiner, c'est gagné. Donc, non, je me suis encore touché. Si tu veux participer, tu as jusqu'à vendredi. Merci, monsieur. Merci de nous avoir servi. Oh, de rien. Ah, mais du coup, oh, elle fait des cadeaux. Oh, c'est gentil, elle fait des cadeaux, la petite sœur. Oh, t'as vu, elle est gentille. Oh, elle me donne un garde du corps instantané. Qui trompera un protecteur et vous protégera comme si vous étiez sa petite sœur. Oh, c'est cool. Ah ouais, effectivement. À la place de l'arc... Non, à la place d'incinération, parce que l'arc électrique, c'est cool. Ça me permet de... Implorez l'aide d'un protecteur. Faites-lui croire que vous êtes une petite sœur. Regardez-le se battre pour vous protéger. Non, non, mais c'est juste une vidéo qui... Oh là. C'est juste une vidéo qui... Dans laquelle tu auras des dessins. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est méchant ça. Alors on va. Voilà, ouf. J'ai failli mourir. Connement. Voilà, hop, on va améliorer sa santé. Mais je viens d'acheter un truc de santé. Pourquoi j'ai pas réussi à l'utiliser? Ah non, j'ai amélioré ma santé, merde. Je croyais que j'avais acheté un kit de soins, mais non. Alors si vous entendez drôle de bruit, c'est Manon qui est en train de... Vernis. Alors là, il y a une seringue, on ramasse. Bien joué. Alors, comment on regarde la carte? Oui, sur Facebook. C'est ça, il y a 5 personnages. Mais les 10 pas en live. Les 10 pas en live, hein, si tu les dis, tu les dis en chuchotement ou en privé. Mais tu prends ton temps, hein, tu peux regarder ça après ou à un autre moment. Hein, tu as jusqu'à vendredi. Et il y a un point pour chaque personnage trouvé. Oh, je suis pas loin de mourir là. Oh là, il y a quelqu'un là. Je l'avais pas vu. Oh, il s'échappe. Ah, mais j'ai plus de munitions. Ah. Meurs. Je suis mort. Ceci dit, vous noterez quand même une petite amélioration dans ma manière de jouer. Toute petite. Bon, j'ai amélioré ma vie, donc normalement je devrais survivre un peu mieux une fois que je l'aurai rempli. Alors, normalement j'ai des munitions. Pourquoi? Ah voilà, je peux utiliser cette arme. Oh là!
Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire pousser des mines. Alors là, je vais recruter le Dalek qui est là-dessous. Dalek. Ah mince, il est là, lui. Enfoiré. Ah mince! Je me suis trompé, j'ai invoqué un protecteur. Bah, je le vois pas. Maintenant, du coup, j'ai gaspillé tout mon bleu. Ah! Il y a le Dalek! Au secours! Au secours! Ah, oh, oh putain. J'ai fait exactement la même connerie que tout à l'heure, donc j'ai plus de bleu. Oh là là, je viens de faire une espèce de gâchis. Tu sais ce qu'on devrait avoir ? Non. Du thé glacé. C'est vrai, un bon thé glacé là par cette chaleur. Ça aurait été bien Ouais, il va falloir renouveler notre goûter parce que c'est vrai que les boissons chaudes. Oh là 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 là! Il y a un gros! Ah, au revoir toi, dégage saloperie! Ah, une trousse de soins, c'est cool ça! Comment on fait pour se mettre à genoux? Non, je veux me mettre à genoux! Voilà! Oh, génial, une autre trousse de soins, dis donc! Ah, de l'Ève! Ève, lève-toi! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un journal! Bon, ça va, je m'en sors pas si mal. Oh, encore une seringue d'Ève. Bon, là-bas, ça canarde. Ah, mais c'est le... D'accord, c'est le truc au bout, là-bas. Il faut que je reste... Voilà, faut pas que je reste dans le champ de vision. Et moi... Je vais mettre l'électrique plutôt que l'invocation d'un allié parce que ça me permettra de pirater éventuellement des machines si je veux, parce qu'on peut griller les machines et en faire nos alliés, hein, comme je vous rappelle la dernière fois. Comment je l'avais appelé déjà, Manon ? Kiki. Kiki, ouais, c'était Kiki, voilà. Ah, me revoilà. Au truc d'amélioration, ça c'est cool. Ah mince, oh là là, j'ai été explosé en traître. Oh, je suis quasiment mort. Voilà, je me suis soigné. D'où est-ce qu'on m'a tiré? D'où m'a-t-on tiré? En tout cas, il y a un lâche dans le coin. Oh, il y a une autre machine. Oh là, c'est par là-bas. D'accord, très bien. Oh là. Ah, c'est là. C'est lui là. Ah, mais c'est un robot. C'est un robot. Et lui, il a l'air bien chouette à avoir avec soi. Alors, je vais essayer de le pirater plutôt que de le détruire. Donc. Voilà, là, je l'ai désactivé. Et maintenant, je peux le pirater. Et quand je le pirate, le robot est avec moi. Alors, oh, bah, 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 bah. Ah oui, d'accord, ça part de là. Très bien. Oh, ça va vite en plus. Oh là là, ça va trop vite, j'y arriverai pas. Peut-être une petite chance. Oh, il y a des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est cassé. Allez, il m'en faudrait un horizontal. Ah, vite. Oui, j'ai réussi.
Ok, merci Darwin, je note. Donc voilà, lui devient maintenant un allié. Donc tu en as deux, Darwin. Les deux premiers sont bons. Bravo, GG à toi. Alors sache qu'ils ont tous un point commun. Voilà. Donc maintenant je reprends une arme. Est-ce que je peux prendre une arme qui a plus de munitions? Ah, j'ai plus de munitions. Bon, normalement j'ai le gros là qui est avec moi. Donc ça c'est cool. En tout cas, je vois que maintenant tu maîtrises le chuchotement, Darwin. Et ça, ça m'impressionne vachement. Parce que même moi, j'y arrive pas. Je vais acheter des munitions encore. Est-ce que je vais prendre plutôt des munitions comme ça ou des munitions comme ça? Là c'est x6 et là c'est x40. On va plutôt prendre le x40. Bon, allez, on continue encore et encore. C'est que le début. Ok, ok. Apparemment c'est là-bas, il faut aller derrière le... Ah oui, d'accord, on peut sauter. Oui, il y a un point commun. À toi de trouver avec ce que tu as déjà trouvé, ce que tu as deviné. Oh, GG Darwin. Décidément, c'est la forme. Oh, il était bien ce cadavre. Ah, là, j'ai 3 trousses de soins, j'ai une seringue d'avance, j'ai plein de munitions. Mais c'est merveilleux. Mince, j'ai fumé. Eh oui, c'est ce que se disent souvent les fumeurs. Mince, j'ai fumé. J'ai commencé. Mince, j'ai commencé. Ah, on frappe à la porte. T'es qui? Peach Wickens. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez appareil photo, cherche pour Piche, de vous faire entrer. D'accord, donc il va falloir que je trouve un appareil photo. Ah, tu vois? Non, on va pas boire le whisky. Mais où est Piche? Donc il va falloir que j'aille trouver Piche. Alors je peux plus sortir par la porte. Alors comment on accède au plan déjà? Oh là! Je crois que ça y est. Ah oui, ça c'est un boss. Ça c'est un boss, alors ce que je vais faire, c'est changer de plasma. Voilà, là normalement j'ai appelé un soutien, mais je sais pas où il est. Mais il est pas ici. Ah si, j'ai appelé un soutien pour qu'il vienne. Oh là là, ça tire de partout. Mais ah, ça marche pas très bien comme plasma. Ah, ça y est, il y a un robot qui vient m'aider là, qui tire. Tu vois, il y a Kiki. C'est un Kiki. Ouais. Elle est où? Par contre, je ne trouve plus la... Où il y a de quoi me requinquer? Ah, ça y est. Donc, j'ai réussi à me débarrasser de la nana. Maintenant, il faut que j'aille chercher l'appareil photo. Merci, mon protecteur. Alors lui. Oh, par contre la jouabilité parfois elle est un peu...
à la One Again. Hein. Elle ressemble un peu à la jouabilité de Shadowgate. On tire dessus là, non? Ah non, c'est mon gentil qui tire sur les autres. Ah, là. Voilà, vous voyez mon kiki là, il tire sur le. Oui, dit comme ça peut faire bizarre, je le. Mon kiki il tire sur. Ouais, vous voyez mon kiki il tire sur les gens. Voilà. Et il m'a bien aidé à me débarrasser. Non. Alors je dis non à Darwin qui propose quelque chose. Ça n'est pas ça. Ah cool, une seringue dev. Pas dev. Nine. Ça a été souvent proposé, Darwin, mais non, ça n'est pas ça. Ah, j'ai plus de munitions. Déjà ? Oh, les munitions se perdent comme vache qui pisse. Ah, je suis mort. Je suis mort alors que j'ai 4 munitions. Faut que je prenne l'habitude d'appuyer sur le bouton carré. Non, rond. Allez, on va se soigner, on va se soulager. Ah, j'ai plus assez d'argent. Coucou Dreamin. Bah écoute, ça va bien, je ne cesse de mourir. Je ne sais même plus combien de fois je suis mort déjà. J'ai dû mourir une dizaine de fois. Mais ça va. Comme quoi on peut mourir avec le sourire. Voilà. Et toi-même, comment vas-tu? Non, oh, t'as plus de munitions. Voilà, j'ai des munitions. J'ai du monde à la maison, mais j'en profite de faire un petit. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est cool. Déjà, c'est bien d'avoir du monde à la maison. D'avoir une vie sociale. D'avoir une vie sociale et tout. Moi j'aimerais bien. Voilà, je l'ai cramé. Mais quelque part, tu as du monde à la maison? Oui, j'ai le chat. Non, mais... Oui, j'ai du monde à la maison, c'est le principe. Waouh! C'est un peu le meilleur moyen que j'ai trouvé pour avoir du monde à la maison. Bon, apparemment, j'ai survécu à cette attaque. Non, j'ai pas survécu. Enfin, si, j'ai survécu, mais... Oh, il est pas mort. Et j'ai plus de munitions. Il va falloir que j'attaque au corps à corps. Oula. Ah mais... Ah, ah, ah. J'ai laissé tomber de voir les... Ouais, ouais. Ah mais il y avait un truc là. Ah oh, j'avais un lance-grenade, je l'avais même pas vu. Non, t'abuses. Ah surtout que j'ai plus de fond donc il faut que je compte là-dessus. Hein. Donc Psychaline n'entend pas ce que je lui dis. J'entends des trucs qui parlent. Ah mais c'est dans le jeu je crois. Qui chante en allemand? Fouiller les conteneurs pour trouver du butin. C'est quoi les conteneurs, c'est ça? Je peux pas, c'est trop. Oula, attention. Oh, c'est là. Est-ce que je l'ai tué? Non, on dirait pas. Si. Ah, alors. Là, il y a de la seringue.
C'est de la bonne. Plein de trucs cachés ici. Yeah, des munitions, ça c'est cool. On peut changer d'arme du coup. Enfin, avec une balle. J'arrive pas à choper cette seringue. Ah, ça y est. Voilà. Si, si, il y en a 5. Le petit rond rouge qu'il y a en bas, c'en est un. En bas à droite, c'est un personnage. Si, si, si. Je l'assure. Ah, on a des grenades, mais je sais pas comment on les lance. Mais c'est dans la télé, j'entends quelque chose. Est-ce que c'est pas mon téléphone qui est allumé? Non. Ou alors je deviens fou, ça y est. Est-ce que j'ai pas mieux comme arme? 3 à la chevrotine. La chevrotine, c'est pas mal. Allez, on va garder la chevrotine. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non. Ce ne sont que des personnages de fiction. Ah! Là, il y a... Par contre, je fais de la pub pour le vernis Satylor. Tu ne deviens pas fou, tu l'es déjà. Qui m'attaque? Oh, une saloperie. Donc ça voilà, retenez Saint-Hilaire, c'est la classe. C'est un vernis, si vous avez des meubles que vous voulez mettre dans votre salle de bain alors qu'ils ne sont pas prévus pour être mis dans la salle de bain. Peut-être que le lance-grenade c'est efficace contre le... Pensez au vernis Saint-Hilaire. Il se pose en 3 couches, mais sèche très rapidement. 2 heures entre 2 couches, ce qui est quand même pas mal pour un vernis. Les pinceaux, les outils se nettoient à l'eau. En tout cas, il n'a pas aimé. Ah ou, moi non plus. Voilà. De temps en temps, hein, faut savoir parler des trucs. Hein. Bon appétit, Ragnam. Moi, je n'y ai pas joué à République. Merci pour la pub de Ragnam. Donc voilà, si vous voulez vernir... alors, c'est pas un vernis marin, c'est un vernis... pour salle de bain. Pour oui, meubles par contre, de... vernissez pas votre bateau avec. Non, sinon il risque d'avoir des problèmes. Malgré tout. Hein. Ça vaut être un très bon vernis. Je peux pas tout faire, non. Pourquoi il a tiré par là-bas? Ah, j'ai plus que des munitions pour pistolet, bon. Ouf. Ah, mais il m'a donné plein de munitions, lui. Ça, c'est cool. Merci, capitaine. En tout cas, je sens qu'on va y rester longtemps sur ce jeu. Je devrais peut-être le passer en mode facile. Ah, ça y est, le match commence. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, c'est faire des longtemps préparés. C'est faire des longtemps préparés. Français pour nous, à quel outrage. C'est ça, non? Je sais plus. Je te le dirai pas. C'est nous qu'on ose méditer de notre antique esclavage. Aux armes, etc. Ah, il y a un grand frère là. Alors, je fais juste pause parce qu'en fait, je crois savoir ce que j'entends depuis tout à l'heure qui me rend un peu fou. C'est qu'en fait, j'ai mon Twitch, mon live en fond sonore. Parce qu'en fait, j'ai oublié de le couper sur mon ordinateur portable d'où je lis le truc. Alors, outre le fait que ça me bouffe de la bande passante,
Et donc ça peut vous poser des problèmes de lecture. Enfin de... Moi, ça me fait un petit écho, un lag, quoi. Ah bah ça en est à chanter la Marseillaise là. Blablabla. Non. Je sais plus. Ah oui, c'est bon. Donc il faut que je fasse F11 et que je fasse plus. Qui c'est qui joue? Il y a Griezmann. Oui, il y a Griezmann. Et il y a celui-là qui avait les intestins en plot la dernière fois aussi. Ah, Rami. Oui, il y avait Rami. Je l'aime bien, Rami. Et donc, Ragnam, tu es notre reporter. Il joue mal, mais je l'aime bien. Voilà, je lui ai mis plein de balles dans le buffet. Et notre Big Daddy national. Il est où, Big Daddy? Big Daddy. Oh, il laisse des mines derrière lui, l'enfoiré. Ah, ça, c'est la grenouille. La copine de la princesse, enfin de l'héroïne, elle a pas justement son père, elle l'appelle pas Big Daddy? Non, c'est possible. Oh là là! Oh l'enfoiré! Voilà. Je suis coincé, je suis foutu, je vais mourir. Mais tu vas faire ça dans une zone. Je vais aller essayer de l'attaquer à la main. Tiens, prends ça! Tiens! Ah ouais. C'est hyper coriace le Big Daddy. Mais pourquoi? Je croise pas une autre. Ah si, là je suis quand même. Oh, mais c'est qu'il est pas loin. Ah non, je réapparais toujours là. Ça c'est chiant. Oh! Ah non, c'est le mien. Par contre, j'ai plus du tout de munitions. J'ai plus une munition et j'ai pas un flèche. Donc si vous voyez quelque chose qui peut me... Ah! Les enfants, si vous voyez un Big Daddy isolé, ouvrez-lui là. C'est quoi ça? Ah, munition pour mitraillette et pour chevrotine, ouvrez, ça c'est cool. Ouvrez. La cage aux oiseaux. Oui, c'est ça, bah, ouvrez le Big Daddy. Ah, j'ai ramassé plein de chevrotines. Comment on se lève déjà? Non. Voilà, là, je crois que je suis debout. Tout le monde debout, que la fête commence. J'ai bien fait d'aller en bas. Non, j'ai Skype qui décide de s'ouvrir tout seul. Bon, est-ce que tout va bien sur la connexion? À part pour Psychalide qui de toute façon ne m'entend pas. Faites un bisou à Psychalide de ma part. S'il vous plaît. Penalty pour l'Irlande. Ouf. D'entrer comme ça. Pourquoi? À froid. On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. Ouais, mais ils sont méchants les Irlandais. Bah, la preuve, c'est que c'est pas eux qui ont été méchants s'il y a penalty pour eux, non? Je me trompe du jeu. Bah, ouais, peut-être. Tu as peut-être raison. Je sais pas, ça dépend de la faute. En fait, je l'ai pas vu. C'est Rami. C'est sûrement une faute de Rami. Non, Koscielny, c'est un gros bourrin. C'est faute Balabis. C'est qui? C'est Rami ou Koscielny qui a provoqué la faute? C'est Rami, il est viré. Moi, je mise Koscielny. C'est vrai que Rami n'est pas en... Ah! En plus, il n'est pas doué et il a peur. Alors du coup, ça le pousse à la faute. Eh, je me bats mieux quand même contre les Big Daddy. Ah, ça y est, une butte de l'Irlande. GG l'Irlande. Ça commence bien. On va être éliminés.
Je l'ai presque eu. Oh là là, j'ai raté, j'ai plus de munitions. Je suis mort. Oh là là. 2 minutes de jeu. Ah, en plus, poteau rentrant. De toute façon, je trouve que Loris n'est pas un très bon gardien. Je risque de me faire des ennemis en disant ça, mais... Moi, je trouve qu'il est bon. Mais qu'il n'est pas aidé. Moi, je préfère Mandanda, par exemple. Oui, mais il est mort. Non, il n'est pas mort. Ah bon? Bah, il joue plus, ça fait un moment, non? Non, c'était au Mondial dernier qu'il s'était blessé juste avant le... C'est pas un vieux? Non. Je confonds, moi. Raté, Darwin. Darwin, il est encore là-dessus, lui. Je préfère l'Irlande à la Hollande. Bah, la Hollande, elle n'était même pas qualifiée. De quoi, Manon? Darwin, il est encore dessus. Bah oui, il cherche. Il a raison. Mais il peut chercher. Il a toute la semaine. Je vois rien. Allez, crève. Je vais la voir. Ah, il s'échappe. Comment on court déjà dans ce jeu? Ah, elle se soigne, vite. Voilà, je l'ai eu avant qu'elle se soigne. Pourquoi on m'a attaqué là? Ah cool, j'ai ramassé des grenades et j'ai ramassé une trousse de soins. C'est pas mal. Ouais, et puis de toute façon, on leur doit bien ça aux Irlandais puisque on, quand on s'est quali- enfin quand on Quand l'équipe de France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2010, vous savez, la fameuse Coupe du Monde où ils ne sont pas rentrés, où ils ne sont pas sortis du bus, où ils ont fait grève et tout ça, eh ben, c'était il contre. Il s'était qualifié contre l'Irlande après avoir mis un but. D'une main. Non, ils n'ont pas marqué de la main, mais la passe décisive avait été faite à la main par Thierry Henry, qui est un joueur que je n'ai jamais vraiment apprécié. Donc, Je trouvais qu'il faisait un peu long. Non, tu confonds avec Thuram. Oui, bien joué, Darwin. Tu en as trouvé un de plus. J'aime bien Thuram. Avec ses petites lunettes. Ah non, alors Thierry Henry, je vois pas qui c'est. Enfin... Ah, ou. J'ai marché sur une mine. Est-ce que là, il y a des trucs à ramasser? Et ouais, Darwin, en plus, tu as vu, c'était une référence cinématographique. Toi qui aimes le cinéma. Tout le monde le donne avec son nom complet, celui-là. Qui? Bah, celui qui vient de donner Darwin et tout, moi, je veux toujours... Regardez, la mort d'un Big Daddy. Au revoir, Big Daddy. Au revoir, Big Daddy. Pauvre Big Daddy. Big Daddy. Big Daddy. Je te rappelle que ce sont de pauvres gars qui sont conditionnés. Oui, mais j'ai... Où est la petite sœur qui va avec? Celui-là, il n'en avait pas. Pauvre Big Daddy. Non, c'était un Big Daddy sans petite sœur. Courage, petite sœur. Non, je vais pas me soigner, je préfère mourir. Ah, là, il y a une seringue. Oh, j'ai plein d'Ève. Il faudrait que j'utilise un peu plus mon Ève. Non. Non, Darwin. Oh là. J'ai été attaqué en traître. Par qui? Ouh là là, ça c'est un robot ça. Ouais, c'est un robot. Je vais essayer de le pirater. Oh, je marche sur ma convocation.
Allez, piraton, tonton. Ça, je sais toujours pas ce que c'est, cette espèce de ressort. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est avec plaisir que... Oh là. Là, le tirage ne met pas... Ne met pas tip-top. Favorable. Ah, je me suis trompé, mince. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, ça va, j'ai bien rattrapé le coup. Non, en fait, là, ça sert à rien. Il me faudrait un horizontal, s'il vous plaît. Un horizontal. Un horizontal. Ah, là, voilà. Voilà, comme ça, j'ai un nouvel allié. Coucou Soledad, comment vas-tu? Hola Soledad. Bonjour. Et bienvenue parmi nous dans ce dimanche de l'angoisse. Pourquoi tu prends un accent chinois? Parce qu'elle... très mauvais d'ailleurs. Parce qu'elle a mis bonjour. Elle a mis bonjour. Ah, il y a un cadenas. Est-ce que ça peut se péter les cadenas? Sûrement, mais avec quoi? On va éviter la grenade. Ah, je vais peut-être essayer au... Voilà. Oui, ça marche. Voilà, pas de munitions. Oh là là, il sort d'où celui-là? Pas de munitions, mais on a des grenades. Ouf. Ça va, ça va. Bah écoute, hein, en train de mourir et mourir. Ah, quoique là, je m'en tire pas trop mal, là. J'ai cru que t'allais dire mourir de chaud, mais je trouve pas. Je trouve qu'on a même un petit... Oh, s'il fait chaud. Un petit air frais, c'est agréable, non? Et donc là, on parlait un peu football. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai ça, qu'est-ce que c'est? Les panneaux de sécurité permettent de désactiver les alarmes et de neutraliser les robots de sécurité qui ont été alertés. L'utilisation d'un panneau de sécurité coûte $20. Si vous piratez un panneau de sécurité, toutes les caméras et tourelles seront temporairement désactivées. Ah, y compris les miennes. Alors, ça m'intéresse pas. Moi, je veux mes kikis. Il va être bien mon meuble pour la salle de bain. Tout ouais. Étanche. Ah, finalement, tu fais les derrière aussi? Oh, au moins une couche, comme ça, au moins je suis sûre que ça s'infiltrera pas. C'est pas une mauvaise idée. Non, l'argent, je vais l'utiliser surtout quand ma vie sera en danger, quoi. C'est-à-dire que si j'en ai vraiment besoin d'urgence. Ah, ça c'est un point de sauvegarde, hop. Ah, non, là aussi, j'ai la fenêtre ouverte. Ce qui... Ah, mince, il y a une alarme. Oh là là! Alors, il faut que j'utilise ça. Ah ouais, d'accord, mais l'alarme, c'est pour ça qu'elle est. Donc là, ça va attirer un robot, normalement, qui va me tirer dessus. Où est-il? Ah, je le vois pas! Où est-il? Ah, je suis mort. J'ai pas réussi. Darwin, il en a trouvé 3. Non, 3, 2, 3. 3. Il en avait trouvé 2 et il a trouvé le dernier là. Donc, enfin, un dernier. Il a trouvé les deux premiers. Et le dernier. Ah mince, il y a une alarme là. Ah d'accord. Donc il en a trouvé 3. D'accord. Ah bah là, c'est un peu comme dans Alien. Oh là 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 là. D'accord, donc ça va jusque là. Voilà. Ah mince, il y en avait une autre. Où ça? Elle est où? 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 Non, c'est pas ça. Je voulais utiliser l'électricité. Voilà. Maintenant, on va le pirater, comme ça, il sera avec moi. Et en plus, ça te rendra de la santé. Et en plus, ça me rendra de la santé. Alors, Ouh, c'est loin. Oh là là. Pas très malin ce que je viens de faire, mais je sais toujours pas à quoi sert le ressort. Mauvaise idée, mais c'est pas grave. Ah, mais je suis obligé de passer par là-bas.
Eh ouais, c'est tout piégeux. Ça sent pas bon cette histoire, ça sent pas bon. Mais je sais pas à quoi sert le ressort. Au risque de me répéter, je ne sais toujours pas à quoi sert le ressort. Alors là, il me faudrait tout simplement un que j'ai là-haut. Voilà. Yeah. Et ça me redonne en plus de la santé. Et ça, c'est cool. Je crois que j'ai perdu le chat. Mon ordinateur s'est mis en veille. Alors attendez, je mets juste pause. J'ai oublié de me brancher. Donc je ne vous lis plus. Je ne vous entends plus. Je ne vous vois plus. Parce qu'en plus, comme j'avais mis le chat en plein écran, vous avez donc tous disparu. Ah, il y a une alarme encore. Ah non, mais il est avec moi, lui. Ah, il y a une battle de robots. Entre celui qui est avec moi et celui qui est contre moi. Je vais essayer d'aider celui qui est avec moi. Non, en fait, je vais les laisser sans... Tu vas abandonner ton kiki. Ben, je vais l'aider. Ah, ben voilà, mon kiki a gagné. Ah, qui c'est le plus fort? Qui c'est le plus fort, c'est Kiki. C'est Kiki. Bien joué, Kiki. J'ai pris quelques balles perdues au passage, mais... Ah, mais il y en a encore un autre. Voilà, j'ai donné des coups à Kiki. Hop. La machine que vous avez endommagée est votre allié. Ah, c'est sympa, ça, d'accord. Ah, je ne vois plus rien. Ah. Oh là là, mais en fait, c'est... Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, là c'est pas bon. Là c'est vraiment pas bon. Je réapparais où du coup? Ouais, donc vous l'aurez compris, il va falloir que je désactive les caméras en fait, y compris mes robots alliés. Alors attendez, je rallume l'ordinateur. Voilà. Il y a pas de souci, Psychalide. Hein. Règle d'abord tous les soucis qui t'incombent. Bon, on va essayer de repérer les caméras et de pas avancer comme un gros bourrin. Donc là, il y a une autre caméra, elle va par... Non, oh là. Mince, ils m'ont repéré. Oh là, je suis comme un con, je suis resté dans la lumière. Non, non, full, fonce. Voilà, j'ai désactivé toutes les alarmes. Voilà, ouf. Alors je sais, ces petits bras... Bah, enfin. Ah, elle doit être hors secteur, celle-là, là-bas. Donc faudrait que je la... que j'électrise. Voilà, j'ai électrisé, je vais la pirater comme ça. Comme ça, elle sera avec moi. En fait, on passe beaucoup de temps à pirater si on... Enfin, si on veut... Donc je garde la technique proposée par CMGES, hein, savoir en découvrir un maximum. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Parfait. Non. Raté. Allez, aide. Oh, il a explosé mon kiki dès le premier truc, c'est-à-dire je viens de le pirater pour rien. Oh, pauvre kiki. Moi je suis mourant. Moi je suis mort.
que beaucoup de monde paye au lieu de pirater car c'est chronophage. Ah, sur le jeu, je crois que tu parlais dans la vraie vie, je me suis dit. Et ouais, mais moi je trouve que c'est trop cher. Je croyais qu'il y avait beaucoup de monde qui payait aussi pour ton jeu, pour pouvoir gagner à des mal dessinés, c'est gagné. Ah oh ben c'est, ceci dit, la corruption est possible dans Dessiner c'est gagner, c'est... Oh non. C'est désactivé, voilà. Ça veut dire que je suis obligé de désactiver à chaque fois. Ça, c'est chiant. Est-ce qu'on peut pirater les... Ah oui, on peut pirater quand même les robots au sol. Ah, mais ils ont des munitions en plus. Oh. Comment? Mais je comprends pas, j'ai désactivé les alarmes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai gaspillé de l'argent pour rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais voilà, vous le savez, si vous voulez gagner... Oh là 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 là! Si vous voulez gagner un mal dessiné, c'est gagné. Hein. Bah vous pouvez corrompre. Mais pourquoi tu tires? Hé hey, j'appuie pas sur les boutons, merde! Pardon. Mais attends, ça m'a gaspillé je ne sais combien de munitions tout seul. Non, Darwin. Est-ce qu'on peut les bousiller, les caméras? Tu dois pouvoir tirer dessus, non? Ah ouais, ça marche. Ah ouais, mais ça les enclenche, en fait. Je sais pas, t'as qu'à pirater et bousiller. Bon, on va faire ça, on va bousiller les caméras. Ah ouais, mais ça coûte cher en munitions quand même. Ah mais bon, c'est ça ou tu meurs? Tu veux mourir? D'accord, elle est là la caméra. Donc j'opte pour une autre technique. Maintenant, la destruction des caméras. Finalement, ça doit coûter moins cher en munitions. Ça doit coûter moins cher en munitions que en désactivation du système complet. D'accord, là, il n'y a pas l'air d'avoir de caméra. Bon bah écoute Darwin, je te dirai en privé ce que c'est, ou si tu veux, Ragnam peut te donner la solution en privé. Donc je noterai que tu as 3 points, ce qui est bien. Donc si tu donnes ta langue au chat, Ragnam peut te donner la solution de ce qu'est le reste. Voilà. Je dis Ragnam parce qu'il est là, que c'est plus simple et comme ça. Voilà. Comment ça, une alarme? Mais sort d'où cette alarme? Oh là là. Alors, évitez d'avoir cette discussion en public. Ah, il y avait de la chevrotine. Bon, les trucs que j'ai explosés restent explosés, ça c'est déjà pas mal.
Moins. Voilà, on va se mettre là. Là, il y a une caméra. Donc, pour la caméra, on a dit doucement. Voilà, il n'y a plus de caméra. Et toi? Et toi, on va te pirater pour que tu sois gentil avec moi. Alors ça, encore un système que je ne sais pas ce que c'est, et du coup je ne vais pas prendre de risque. Il me faudrait juste deux horizontaux, si possible, voilà. En voilà un. Allez, il me faudrait un deuxième horizontal. Ah, le ressort, tu dis que c'est un truc qui ralentit? Ouais, c'est ça. En fait, ça ralentit, t'as raison. Bon, en tout cas, ça a marché. Voilà, cette tourelle est avec moi. C'est Kiki numéro 3. Au moins, je peux ramasser les munitions là. Voilà. Hop, on va la tirer vers mon Kiki. Là, il y a un kiki là aussi. Ça pète de partout. Ah, il est mort. Kiki, il est mort. Non, pas Kiki. Kiki, il va bien. Ah. Mais il a tué. Waouh, trop fort, Kiki. Ouais, mais c'est trop cool. Alors là, par contre, il faut faire attention. Il y a un autre kiki. Oh putain. Je suis presque mort. Tu es une guêpe ou une guêpe maçonne? Ta sonne. Bon, au revoir. bon, c'est elle est repartie, ça y est, pas plus. Bon. Merci d'être passé. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous, guêpe maçonne. Oui, elle est passée, mais elle est repartie. Ça m'intéresse un peu moins. Elle est pas fan de BioShock. Non, BioShock, ça l'emballe pas. Elle dit que c'est trop puzzle game et elle préfère les jeux d'action. C'est son goût, hein, c'est son choix, je le respecte. Hein. Au revoir, guêpe. Tous les goûts sont dans la nature. Guêpe. C'est là ton choix. Alors ça, je n'en sais fiche rien. Oh, pourquoi ça m'a explosé? Ah, oh, je suis mort. Je suis mort, encore une fois. Combien de morts pour aujourd'hui? Faut poser la question au Twitcher. Ouais, je crois que la personne n'a tenu les comptes, c'est pas possible. Il y a un truc qui a pété. Pour la photo. Ah, pour la photo. Ah, je ne sais pas. Moi, j'aurais spontanément dit à partir du menu de... Comment ça, il y a une alarme? Il n'y a plus de... Je comprends pas. Oh là 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 là. Tiens, prends ça. Oui, je te repirate. Si on fait une boucle, ça fait quoi? Non, c'est vrai que c'est hyper chronophage comme activité. Alors là, bon, on va dire que je suis un peu harcelé par les problématiques sécuritaires du jeu.
Ah, mais il y a plus court là. Pourquoi je me fais chier? Pardon. Pourquoi suis-je vulgaire comme ça? Ah, on n'a pas du jus de citron? Non. C'est dommage. Yes! Même dans le petit citron jaune? Voilà, j'ai un robot qui est avec moi. Non, on a peu... non, il faudrait que j'en rachète. Mais d'où ça me tire? Mais... Ah mais le truc il redevient méchant. Je viens de le désactiver. Ah non, c'est parce qu'il y a mon kiki gentil et mon kiki et un kiki méchant. Je vais aider le gentil. Voilà. Techniquement on peut fouiller l'autre, le cadavre du méchant. Oh mais ils viennent à la chaîne. Oula, ça va pas aimer ça. Oh, encore un autre! Oh là là! Ils veulent me forcer à désactiver, à utiliser mon argent. Hein. Ils n'ont pas conscience combien ça me coûte. Moi qui suis pauvre. Bon, là ça a l'air d'être un peu mieux. Il y a un truc là-bas rose derrière. Je suis sûr que c'est sympa. Ah, télékinésie, je l'ai pas avec moi. Ah bonjour. Merci. Comment on se met à genoux déjà? Comme ça. Des munitions! Oui! Oh, un truc de sauvegarde. C'est génial. Cet endroit me plaît. Je veux rester... Ah, un livre avec une croix. Mais je croyais qu'il voulait faire une société contre la religion, tout ça. On n'a pas dit que ce livre était approuvé. Ah, tu crois qu'on est donc chez des... C'est quoi ça? Ah, échanger les améliorations génétiques. Ah! Du coup, je vais enlever l'amélioration gardien. Je vais prendre la télékinésie. Parce que là, je crois qu'il y a des trucs à bouger. Que dalle. Que dalle, donc je vais reprendre... Je prends le gardien ou la flamme? Gardien ou flamme? Bon, allez, j'ai pris gardien. Flamme. Ah. T'aimes bien la flamme? Non, mais garde le gardien. Ça peut être pas mal aussi, hein. Attention, vous disposez d'un emplacement vide dans lequel vous pouvez installer. D'accord? Ah oui! J'ai un emplacement vide. Mais j'ai rien à y installer pour le moment. Faudrait que j'achète, quoi. Voilà. Ah, il y a eu un mort, là. Je dois aller par où? Par là. Mais il n'y a rien par là, on est d'accord, hein. Ah si, il y avait un couloir, j'avais pas vu. Il n'y a rien dans les caisses. Te revois là. Qui, Diao? Non, la guêpe. C'est Diao aussi dans le coin. Bonjour. C'est quoi ça? Attention de ne pas passer par la plante carnivore. Predator, fais ton boulot. Et toi, n'essaye pas de bouffer le gâteau. Ah oui, Diao a repéré le gâteau au yaourt. Oh. Regarde, moi je te sens si ça regarde le petit Sean. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'appareil photo. Et toi, Predator, tu... Alors, prenez vos ennemis en photo avec l'appareil pour effectuer des recherches. Chaque type d'ennemi confère des bonus de recherche spécifiques. Essayez de prendre en photo du chrosome... Ah, une photo du chrosome de l'autre côté de la vitre en gardant le sujet bien centré d'assez près. 3 chromosomes plafonniers. Je sais plus comment on utilise l'appareil photo du coup, parce que là je l'ai viré sans faire exprès. Ah d'accord, c'est comme une arme, d'accord. Et là, donc on le prend en photo. Coucou Manon, comment vas-tu? Coucou Dreamin.
Ah, on peut savoir, est vulnérable aux munitions antipersonnelles et à l'électricité. Donc celui-là, je peux... Ah oui, mais là, c'est au travers de la vitre, ça marche pas. Donc, à quoi reconnaît-on un plafonnier? Il a des griffes aux mains. Le plafonnier. Alors, le premier qui me dit, bah, parce qu'il est au plafond. Elle cherche à se poser, mais tu trouveras pas. Ah non, là, je veux pas. Qu'est-ce qui tire là-bas? Ah, c'est là. Ouais, j'ai eu. Renard rusé qui fait sa loi. Ah, j'aurais dû le prendre en photo. Oui. Hey! Donc, j'ai comme objectif, je dois prendre en photo 3 chromosomes. Mais j'ai pas envie de me trimballer à l'appareil photo à la main, donc on va essayer d'avancer tout doucement. Là, il y en a un, on va essayer de le prendre en photo. Yes. Ah, lui c'est un chromosome armé. Il faut prendre 3 types différents de... Non, il faut que je prenne 3 fois le... 3... Ah, lui il craint les munitions antipersonnelles et la chaleur. Oh. Donc, est-ce qu'il y en a un autre dans le coin? Non. Il y avait un jeu Pokémon sur, sur 64. Ah, il y a une caméra là. On va essayer de dégommer la caméra qu'il y a là. Voilà. Je n'ai gaspillé des munitions, hein, mais... Alors, les caméras de sécurité vous harcèlent. Balisez simplement vos ennemis avec des insectes photo électriques pour duper les caméras et les tourelles. Ah, c'est cool, ça. On va le stocker dans la génothèque. Je vais pas le mettre pour le moment. Ah, voilà, elle passe par chez nous. C'est ça, Pokémon Rumble. Pokémon Snap, non? C'était pas Pokémon Snap, il me semble. Bravo! Décidément, vous êtes bon en ce moment. Je crois que la guêpe, elle fait que passer par chez nous. Ah, elle traverse. Ouais, c'est plus rapide que de faire le tour du bâtiment. Elle a raison. Ah bah c'est malin une guêpe. Hein. C'est quoi ça, un tapis? Ah bah c'est celui que j'ai tué. Non, j'ai pas d'argent à gaspiller là-dedans. Pas pour le moment. Donc il faut que je snap les chromosomes. Attrapez-les tous. Ah, il y a une petite fille par ici, une petite sœur. Ah, elle est là. Ah, j'aurais dû le prendre en photo. Pas l'air de bien marcher. D'ailleurs, il a l'air assez... Ça ne marche pas. Ah, si. Il est beau, hein. Bonus de recherche, Rosie, dégâts plus. Le Rosie a aux munitions perforantes. Qu'est-ce qu'une munition perforante? En fait, il craint plus les petites balles. Ah, c'est pas mal derrière la vitre, il a du mal à me chauffer.
Oh, il s'est barré. Il s'est barré, ce lâche. Dommage, j'aimais bien, là, j'avais un bon point de vue. Alors, on va essayer de retenir où c'est en regardant la carte. D'accord, donc c'est derrière ça, ok. Ah, il m'a eu. Mais je l'ai bien blessé quand même. Je vais aller me laver comme ça, je pourrais refaire mon vernis dans 2 heures. Ben pourquoi pas? Juste avant de partir, comme ça, je pourrais refaire mon vernis ce soir à 8h30. Voilà, c'est comme ça, j'aurais tout fini mon meuble. Il faut faire 3 couches quand même. C'est une idée. 3 couches? Bah ah ouais, quand même. Je pense pour qu'il soit bien. Ah, ça revient cher en vernis à la fin. Ça dépend. Bah, c'est pas non plus. Il a 12 mètres carrés de rendement. Ça devrait aller. Bah, après, il faudra peut-être que j'achète un autre pot quand même. Ah oui, parce qu'en plus, à la base, c'était pas pour ça. Oh, toi, t'es un moucheron, toi. Totor, c'est là-bas. Rip. Bah, en fait, il faut que je les tue. Ça fait partie de mes objectifs de mission. Je dois les tuer. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme j'ai choisi d'être gentil, je dois les tuer pour pouvoir sauver les petites filles qu'ils ont. Tous. Et je dois tous les tuer. Pour avoir la bonne fin. Pour avoir la bonne fin. Dixit, CMGES. Et là, là-dessus, on peut lui faire confiance. Mais apparemment, j'ai pas choisi la chose la plus facile à faire. J'ai voulu être gentil, quoi. Ça m'apprendra. Comme quoi, la gentillesse ne paie pas. Ah, j'ai pas le réflexe de prendre en photo, moi. J'ai le réflexe d'essayer de survivre. Alors, qu'est-ce que j'ai pris, là? Un robot de sécurité, progrès, recherche. Bonus de sécurité, dégâts plus. Je suis mort. Et voilà, une fois de plus. Oh là là. Mourir, moi. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci comme un chrosome armé? Putain, j'en ai marre, c'est pas un armé que je veux. Pourquoi ça a pas marché? Ah, peut-être parce qu'il y a la vitre. Mais se foutre de moi? Je gaspille toutes mes... C'est bon, j'ai eu tout le monde là? Hop, on se soigne. Ah là, je me suis pas trop mal débrouillé. Mais j'aurais surtout dû les prendre en photo! Ça, c'est pour la petite. J'ai plus de pellicule. Ah, faut que je recharge. Ah, bon, au moins ça ne fonctionne que quand il y a des sujets en vue. Ça, c'est. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, encore un chrosome armé! Ah, cool! Cool, quand je fouille des conteneurs ou des corps, je peux effectuer une nouvelle fouille pour trouver d'autres objets. Ah, ça c'est sympa ça! Oh, il était là, je l'avais pas vu. Je vais mourir! Mais je pense que s'ils m'en ont mis plein, c'est parce que je dois les prendre en photo.
Ah mince, j'ai fumé. Mauvaise idée. Surtout que ma vie, elle est très très basse. J'aurais pu en mourir d'un coup comme ça. Ah, voilà, un peu de vie. Ah. Ouais, voilà, j'arrête pas de boire, c'est bien. Alors là, voilà, hop, on crame ça, enfin on fout l'électricité sur ça et ça peut... Et oui, c'est bientôt l'heure du goûter. D'ailleurs moi, oh là là. Encore un gros homme armé. Oh là là. Moi je vais mourir. Bah non, je suis pas mort. Tu vas manger quoi, Darwin? Non mais ma foi, pourquoi pas. Est-ce qu'ils ont tout compris, tes oignons frits? Je crois que Ragnam aussi, il est frit. Faut que je trouve un poste de soins. Ce bruit-là, ce serait pas un bruit de caméra? Ah! Est-ce qu'on peut prendre les cadavres en photo? Je suis mort. Bon, voilà. Bon. Donc n'oubliez pas que mon objectif, c'est de prendre en photo... Oui, Yao. Ah, ça marche, on peut prendre les cadavres en photo. Donc dès que j'en ai tué un, je peux le prendre en photo. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que je peux faire une approche un peu différente de ce que je fais jusqu'à présent. Et par exemple, on peut le tuer. Voilà, on peut le tuer, puis le prendre en photo. Un chrosome explosif. Ah, c'est le premier. Ah, il y a une pénalité si le sujet est décédé. D'accord. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, ça me va. Oui, Diao. Oui, le Diao, c'est trouver un goûter, là. Une souris. Une souris en mousse dans la gueule. Oh, une caisse de grenades vide. Oh bah j'ai bu une bière. Bon. Le Wisebot, il a pas envie de te répondre, Darwin. Il est fâché. Ah. Ah, il est là. Ah, encore un gros homme armé. Ah mince, il est vivant. Je vais mourir. Il me faut du soin. Soin. J'ai pas de soin. Il est là. Ah. Je suis mort. Bonjour le chat.
Oui, elle est très bavarde en ce moment, à la limite du relou en fait. En ce moment, ouais, elle a envie de parler, elle a envie de causer, elle nous raconte sa vie, c'est bien, c'est sympa, hein, mais des fois on s'en fout un peu. Ah bah va sur le nougat alors. Moi à ta place j'irai sur le nougat. Et bon ça du nougat de Montélimar. Non, armée il m'intéresse pas. Bon là il y a de quoi boire. Ça c'est quoi? Armée, ça m'intéresse pas. Ah, du soin, ça m'intéresse. Je suis misérable. Mais non, c'est très bon le nougat de Montélimar, enfin. Oh là. J'ai failli faire une grosse connerie. En tout cas, on notera que la stratégie détruire les caméras, ça fonctionne pas trop mal. Hein. Plutôt que de les désactiver. T'as qu'à venir manger du gâteau yaourt à la maison. En plus, c'est moi qui l'ai fait. Et mon gâteau yaourt. Est-ce qu'on peut prendre en photo les poissons? Ah, c'est là où je suis mort tout à l'heure, non? Ouais. Je suis mort ici tout à l'heure, en allant là-dessous. Ah ouais, d'accord. Voilà pourquoi je suis mort. On va le pirater pour que... Quoique, si je le désactive, est-ce qu'il risque de revenir? J'en sais rien, en fait. Donc, dans le doute... Ouais, je me suis fait plaisir. En plus, c'est vrai que c'est pas long à faire. Ça met quoi, une quarantaine de minutes en tout, cuisson et préparation comprise. C'est pas si salissant puisqu'à la fin on jette son pot de yaourt. Et puis en plus, ça coûte pas très cher à faire. Donc voilà, j'en avais envie. C'est gagnant-gagnant. Donc ça me plaît. Alors là, il me faut celui-là. Mon seul regret, mon seul petit regret. Oh, on peut pirater un coffre. Ah ouais. Ah mais genre ça rigole pas quoi. Non! En plus je sais même pas si ça a une vraie grosse utilité ce que je suis en train de faire. Ah, c'est bien ça. Voilà. C'est tout simple à faire, il faudrait prendre le temps. Ouais, c'est ça, faut vraiment y aller tranquille, quoi. Puis faut... Il y a pas mal de choses comme ça qui sont simples à faire. Les mug cakes, ça en fait partie. Les gâteaux yaourt, ça demande peu d'ingrédients. En général, c'est des ingrédients qu'on a à la maison. Ah, apparemment, il y a quelqu'un. Donc, s'il y a quelqu'un, on va peut-être essayer de le prendre en photo.
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, encore un armé. Hop, voilà, on va le reprendre en photo. Comme ça, on progresse. Ça augmente mes dégâts. Des pommes chips. Oh, enfin, Ragnam. Pas très compliqué, hein. Tu fais des trucs bien plus complexes, je suis sûr, avec les ordinateurs et compagnie. Casser un œuf. C'est le béaba. Même moi, j'y arrive. Même Manon y arrive. Pourtant, c'est pas un as de la cuisine. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça y est, je suis toute propre. Si tu veux, je t'apprendrai, Ragnam. On fera un gâteau yaourt ensemble. Ah, est-ce qu'on peut la sauver? Ah non, on peut pas la sauver. Ah. Vitali. Oh mince, mais c'est pas celui que j'ai déjà blessé. Ah bah dis donc, t'en as une sacrée arme. Ouais. C'est pas mal en effet. Non, le prendre en photo, ça ne m'intéresse pas. T'as une arme à la Vitali là, non? Là, je suis un peu coincé. Ah là 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 là. Bravo, Kistax. Comment? Oui, Darwin. J'ai pas tout compris. Mais Darwin, tu donnes des ordres maintenant? Le lance-flamme, c'est dans Alien. Ah, il donne des... Mais avec un train de retard. Lance-flamme, non. Non, il, fond, il se trompe juste deux semaines, c'est tout. On est en semaine D. C'est les vacances qui te font l'oublier. Oh là là. Ah, je crois que c'est lui que je dois prendre en photo. Oui, 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 c'est le deuxième, c'est le deuxième. On est bien, on est bien. Et si je le prends en photo, en, le même encore une fois, ça marcherait ou pas? Un chromosome. Ah non, je connais pas. Non, ça marche pas. Bon, au moins j'aurais essayé. J'ai voulu gruger le jeu. Ah oui, il crée l'électricité, je crois. Non, l'électricité. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, j'ai eu le deuxième, enfin. Mais j'aimerais bien avoir un troisième... un troisième chromosome. Je suis où, là? Ah non, moi, je vais par là-haut, tout à l'heure. Ah, je crois qu'il y a un... Merde! Pardon. J'étais sur le point d'avoir et le machin et le truc. Ah! C'est quoi ça? C'est un armée, dégage. Tu ne m'intéresses pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui sont là-haut. Ah, il est là. Non, c'est celui que j'ai déjà croisé. Alors lui, il crée l'électricité, donc il est où? Ah, il m'a eu. Je connais de nom juste le distrait de Pierre Richard. Je suis pas très très Pierre Richard dans l'absolu.
Alors je sais, c'est une lacune. Bon, il faut que je me le fasse celui-là. Il faut surveiller les plafonds parce que... Elle est là. Voilà, hop. Ah cool, du soin. Bon, maintenant faut que je trouve la petite sœur qui est dans le coin. Armée. Explosif. Ah, si ça vibre comme ça, c'est qu'il doit y avoir la petite sœur pas loin. Ah, là je m'en éloigne. Non. Si quelqu'un voit ou entend une petite sœur ou un gros Big Daddy là, un Big Daddy, qu'il me le fasse savoir. Je suis demandeur, je suis client. Ah, le voilà. Allez, meurs. Voilà. Hop, il est mort. Et maintenant, on va sauver la petite fille. Voilà, là, je sauve la petite fille, comme tout à l'heure. Et ça m'apporte pas mal de récompenses. Voilà, notamment pas mal d'argent. Votre santé est faible, mais si vous êtes riche, achetez des trousses. Ok. Ciao, ciao. Repose-toi bien, Dreamin, au plaisir. Bonne fin de journée, bon dimanche. A très bientôt. Ah, j'ai atteint la limite en chevrotine. Alors, je vais prendre la chevrotine. Des bisous. Ah, voilà, maintenant qui est revenu juste à temps pour te dire au revoir in extremis. Donc, ce que je cherche, Manon... Ils sont au plafond, ils marchent au plafond. Donc si jamais tu vois un truc qui marche au plafond, tu me le dis. Salut Manon. Je nous fais de l'eau gazeuse. Je nous fais de l'eau gazeuse. Ouais, si tu veux. Ah, il y a l'espèce de truc au citron. Je me fais un truc au citron. Ouais, pourquoi pas. Parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de chaud. Ah, putain, c'était la porte. Bah non, mais ça ira très bien avec le gâteau. Un petit boisson gazeuse. Ouais. J'aurais préféré une vraie citronnade. Ouais, j'avoue que ça aurait été pas mal, mais bon. Voilà, hop, la caméra à la chevrotine. Petit lilipimpon sur le chihuahua. Ah, un gros Big Daddy. Mais il a pas de petite sœur avec lui, non? S'il a pas de petite sœur avec lui, c'est que je l'ai déjà tué quelque part. Donc on regarde autour. Est-ce qu'il a l'air d'avoir une petite sœur? Non, hein. Et puis il a l'air plutôt en forme, alors on va pas s'y frotter. Donc vous voyez, c'est quand même super sympa le Big Daddy. Ça t'attaque pas. Ah, ça donne envie de vomir. Au revoir Darwin, bonjour les autres. De quoi, Kitty Lit? Qu'est-ce qui donne envie de vomir? Pourquoi au revoir Darwin, bonjour les autres? Darwin, il est parti? Non, au revoir... Ah oui, non. Non, c'est pas Darwin qui part, c'est Dreamin. Alors oui, ça se ressemble, ça commence par un D, ça finit par IN. Ou alors, dites-moi si je me suis trompé. Ah, la visée à la première personne, mais c'est comme dans la vie. Ah oui. C'est très sensible au mouvement de... Ah, un coffre. On va pirater le coffre. Alors là, donc, Dreamin...
Kitty-Lynn, toi qui ne connais pas. Il n'y a que des in en fait. Darwin, Dreamin, Kitty-Lynn. Ling, ling, Eline, 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 Eline. Vous faites comme des clochettes. Ring, ring. Ring, ring, ring. Y a déjà de l'eau là-dedans? Attends, 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 je peux pas te répondre. Ah, raté! Voilà, j'ai été blessé. Oui, oui, là c'est pas stable, c'est très sensible aux vibrations. Qu'est-ce que tu dis, Manon? Il y a déjà de l'eau dans. Non, non, c'est qu'il est très liquide parce qu'il est sans sucre. Là, je vais. Pas insister, si j'y arrive pas une deuxième fois, tant pis pour moi. Ah, trop tard, c'est fini. On peut pas quitter. Ah, et en plus, vous voyez, ça me blesse à chaque fois. Alors, l'explication. Nous incarnons un personnage qui, par hasard, se retrouve dans une cité sous-marine après un crash d'avion. Après un crash d'avion, il se retrouve dans une cité sous-marine. Et cette cité, en fait, il s'avère qu'elle a été construite par un fou furieux. Bon, j'en ai marre. Allez, je vais arrêter. Pourquoi je commence par la fin? Parce que j'ai pas le choix, en fait, du sens de. Et en fait, si tu veux, il y a que deux. Là, ça va beaucoup trop vite pour moi. Donc le coffre doit contenir quelque chose de plutôt sympa. Et cette cité, il s'avère que c'était le délire d'un fou furieux qui voulait créer une société humaine loin de tout vice, de religion, de politique, mais qui reposait quand même sur des principes eugénistes, sur des principes racistes, etc. Donc évidemment, c'est parti en sucette. Et donc nous on s'est retrouvé dans cette cité un peu par hasard et on est un peu en train d'errer pour essayer de survivre notamment. Et au passage on découvre qu'il y a eu des expériences, on va dire génétiques, hein, faites sur les personnes qui vivaient dans cette cité, notamment des petits enfants, donc les petites sœurs, les petites filles. Et les petits garçons, enfin les big daddy, qui vont en fait c'est des garçons. Voilà, et des garçons qui ont été mis dans des grosses machines qui les protègent et nous on doit essayer de sauver les petites filles. Oh là là, là je tombe que sur des trucs assez hard en termes de puzzle. Ah bien. Non. Donc il faudrait que je trouve ce coude là. Hop. Très bien. J'ai déverrouillé une porte. Ah, d'ailleurs, on en profite pour m'attaquer dans le dos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je dois prendre en photo certains trucs aussi. On m'a filé comme mission. Là, c'est mon objectif parce qu'on avance de mission en mission, un peu au hasard des rencontres. Et on m'a donné comme objectif de prendre en photo les chromosomes. Alors, les chromosomes, ce sont les humains génétiquement modifiés. Donc ça c'en est un. Et je dois prendre en photo ceux qui marchent sur le toit. Je dois en prendre 3 en photo, je sais pas trop pourquoi. Mais là c'est mon objectif du moment. Donc si vous voyez quelque chose au plafond qui grouille, avec des crochets aux mains, ça m'intéresse. Je suis friand, je suis client. Voilà, j'espère que l'explication est assez claire. Pour l'instant on cherche surtout à survivre. Alors moi aussi du coup j'ai été un peu modifié génétiquement et du coup j'ai des pouvoirs, comme par exemple, voilà, je peux électrocuter un système de commande pour ouvrir une porte qui est électriquement cassée normalement. Voilà, ça fait partie en fraude de mes capacités. Qu'est-ce qu'il y a, Miam? Oh là, on m'attaque. Alors là, il y a des pupus partout, hein. Oh là, c'est la folie. Bon, l'avantage c'est que ça me permet de gratter plein de munitions. Alors, armée, il m'intéresse pas. Parce que aussi, prendre en photo des ennemis, ça permet d'augmenter mes capacités en fonction des types d'ennemis que c'est. Il faut les prendre en photo plus ou moins de fois. Monsieur Rayel, je crois en la nature.
Ah merde, j'ai bu de l'alcool, c'est pas bon. Ah, j'ai fumé, quel... Pourquoi ça... Toi, tu fais pas attention à ce que tu piques. Oui. Ta description du jeu. Qu'est-ce qu'il y a, ma description du jeu? Elle va pas bien? On la comprend? C'est miam. Ah, je croyais que c'était miam pour le goûter, parce qu'on mange du gâteau yaourt, que l'on peut voir sur ma page Facebook. Ça, c'est quoi, ça? Ah, un plafonnier! Donc, c'est lui qu'il faut que je prenne en photo. Tu peux le prendre en photo mort? Oui. Ah, score insuffisant. Ah bah non, c'est que je l'ai déjà pris en photo, celui-là. Oui, ah non, mais c'est celui que j'ai tué. Tu l'as déjà pris, oui, mais je dois en prendre 3 en photo. 3 plafonniers? Oui, c'est mon objectif, c'est ma mission. Parce que je m'étais dit, tiens, comme une lampe. Oui. Ah, c'est quoi, ça? Mais celui-là, en fait, j'ai dû déjà le prendre en photo. Ah, d'accord. Oui, j'imagine que ça doit pas être évident d'être là-bas en ce moment. Et en plus d'être ressortissant... Salut, Diego. Ressortissant européen. Diego 12, 400... Hola, Diego. Bienvenido. Le bruit des alarmes de sécurité vous stresse. Grâce au réducteur d'alarme, votre signature électromagnétique interagit avec les capteurs alarme, ce qui vous laisse plus de temps. À vous la liberté. Oh, c'est mais pas mal, ça. Mais on se connecte, Kiki. Non, elle dit enchanté à Diego, non? Oui. Je pense. Ah, qu'est-ce que Diego? Diego habla francés. Hein? ¿Crees? Sí. ¿Por qué? Porque sa... Porque lo ha... Lo digo. Bien et tout. Non, tu vois, il parle. Mais il parle aussi, c'est un français, il nous a dit bonjour. Ah. Il nous a dit salut. Ah bah voilà, c'était salut. Salut. Salut qui veut dire santé. Darwin, à chaque fois qu'il voit enchanté, il croit que c'est pour lui. Enchanté, Darwin. Muy bien. Ouh là là, ça c'est pas sympa ça. Ouh là. Il est nerveux celui-là. Ah, j'ai fait peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu des comme ça. Oh là là. Un kiki. Ouais, mais le kiki là il est méchant. Ça a envie d'un kiki. Non, je me suis trompé. Oh là là. Oula, ça sent pas bon. Oula. T'as plus de vie. Si. Oh là là. Il se fait un kiki. Ah, tu vois Diego, il te dit français, espagnol, peu importe. Nous aussi. Muy bien. Ouais, non, en fait. On parle plus français. Oui. Mais on comprend l'espagnol. Hablo demasiado en francés, pero puedo hablar en castellano. Ay. Hola en catalán. Tu te fais pas d'amis dans le jeu des alliés. On peut se faire des alliés. Des robots. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Il suffit de les électrocuter, de les trafiquer. Tu vois, un peu comme ce que je faisais tout à l'heure avec les machines, là, avec les systèmes de tuyaux. Là. Et après, les robots deviennent tes alliés. Voilà, lui il est mort. J'entends un Big Daddy. Oh, j'ai cru entendre un Big Daddy. Il y a un Big Daddy. Big Daddy. Oh. Moi je peux pas m'empêcher. Là on entend. Non, c'est même une petite sœur qu'on entend. Donc on peut pas se faire à proprement parler des alliés, même si le fait de sauver les petites sœurs nous les. Ah ben là voilà une petite sœur. Donc c'est là où généralement je meurs. Là où il y a une petite sœur, il y a un Big Daddy. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a du soin à côté. Et je suis obligé de tous les tuer. Oh, je l'ai à peine touché.
Oh là là. Mais par contre, tu l'as bien agacé. Oh là là, c'est... Ah, peut-être qu'avec ça... Ta tablette parle. Qu'est-ce qu'elle dit, ta tablette? Tant qu'elle dit pas des insanités. Bonjour, tablette de Darwin. Ouh là 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 là. Là, je suis pas bien, là. Là, je suis vraiment pas bien. Moi qui comptais garder... Il faut que je me soigne. Non, j'y arriverai pas. Ah, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Baisse-toi, 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 baisse-toi. Je suis mort. Alors par contre, attention, ici, alors, il faut on savoir, joue mal. Ici, on joue mal, ça fait partie un peu du concept. Je me considère comme un slow runner. C'est-à-dire quelqu'un de mauvais, de foncièrement mauvais. Il m'a dit Darwin. Et j'ai crié, crié Darwin, pour qu'il revienne. Ah, donc si tu as fini ce jeu, peut-être pourras-tu m'aider. Oh. Oui, je suis toujours en recherche d'aide. D'habitude, j'ai CMGES qui m'aide. Bah là, en attendant, de toute manière, tu as... Tu sais ce qu'il te reste à faire, à finir le Big Daddy. Big Daddy. Big Daddy. Elle t'aime, Darwin. Ta tablette. Ta tablette. Bon, là, je suis déjà passé... Il y a quelqu'un qui pleure. Et tu as fait le 2 et le 3 aussi ? Le 2 et le... Oui, nous on a fait l'infinite, on a commencé par, par l'infinite. Et c'est lui qui nous a donné envie de nous plonger, sans mauvais jeu de mots, dans cet épisode. Parce que moi, Y a quelqu'un par là. Contrairement à tout le monde, j'avais bien aimé le infinite. Alors du coup, quand tout le monde a dit « Oh, il est beaucoup moins bien que les deux autres », je me suis dit « Bah alors, autant faire les deux autres, parce que si déjà j'ai bien aimé le... » Bah moi, mon côté un peu claustro me dit que j'aime bien, en fait, Infinite. Moi, j'aime pas trop être sous l'eau non plus. Mais Darwin, ça va? Oh, j'ai ouvert des toilettes. Ah bah c'est cool, c'était pour des munitions. Monde des parts de pizza. J'aime pas trop jusque là. Tu préfères quand on se frotte à Alien, hein. Bon, en mine de proximité. Mais je sais pas utiliser mes mines de proximité. C'est dommage, ça pourrait me servir. Bon. Allez, on recherche le Big Daddy. Big Daddy. J'ai les dents qui poussent. Alors, porte 5. Est-ce que je suis allé dans la porte 5? Ah, sa gueule. Est-ce que l'équipe de France a marqué? Ou pris un but? Ah, égalisation de la France. Oui, j'ai entendu dans la rue, ça a fait... Ah. Non, Manon s'y présente et m'accompagne. Et nous jouons ensemble. Mais pourquoi ça va pas du tout, Darwin? Raconte. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Darwin. Est-ce que je suis entré dans la salle? Oui, je suis entré dans la salle 7, hein. C'est une impasse, non? Ouais, c'est une impasse. Chambre 7, il n'y a rien. Non, mais regarde, il est tout content, il envoie des smileys. Il te fait marcher. C'est le smiley qui pleure. Mais non, il sourit. Il pleure de rire. Il pleure. Tu pleures ou tu pleures pas? Si tu pleures, c'est tant mieux. Mais j'entends le Big Daddy, il est pas loin. Il est par là, je le sens. Bon, enfin, Cutuline. Cette réflexion. Est-ce que j'y suis allé par là? Ah, je crois que c'est... Non, c'est les toilettes, là. Ah oui, il pleure pas. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas bien regarder les smileys. Bon. Où es-tu? J'y suis allé par là? Je crois pas, hein. Ça me dit rien, un couloir comme ça. Mais tu devais être sacrément jeune alors quand tu es tombé sur la tête et que ton cerveau s'est retourné. Après, ça dépend dans quel sens il se retourne. Il y en a un plus grave que l'autre.
Moi, j'aurais envie de dire que devant derrière, c'est moins grave que sans dessus dessous. Non? Je sais pas. Me trompe-je? Je n'en sais rien. Et donc Diego, combien de temps il t'a fallu pour le finir ce jeu, pour le terminer? Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi. C'est ça Darwin en fait. Qui me fait du cinéma. Qui me fait du cinéma. Ah, il y a un truc là. Est-ce que c'est ça fait partie de la race de ceux que je cherche? Non. Oh. C'est ah, quoi ce rire sadique? Tu tues un mec, t'es content. Bah pour une fois que je tue sans tu être tué. Tu tues un mec, tu fais... T'as vu comment t'es maintenant? Ah ouais. Ah ouais, non mais moi il faudra 2-3 mois pour le finir. Non mais c'est peut-être, ça dépend, peut-être 2-3 séances. Ah, c'est lui, enfin, c'est il est là. C'est déjà la deuxième. Est-ce que tu avais choisi d'être gentil ou d'être méchant? De sauver les... Ah oui, parce que nous avons choisi de sauver les petites filles et du coup de nous faire tous les Big Daddy. Toutes les petites sœurs, du coup. On regrette. On regrette d'avoir fait ce choix? Non. Ah, oh, j'ai été tué. Et dans le dos en plus. Ouais, bon. Arrêtez de souligner ma petitesse. Je ne m'en sentirai que plus glorieux. T'as vu, Kitty est encore dans le dos. Non, moi il faut savoir que je ne le fais qu'en live et qu'une fois par semaine sur 2-3 heures. Donc c'est pour ça que... Oh, je l'ai eu dans le dos. Mais là, ça y est, heureusement que la France a égalisé, non? Pourquoi? Bah parce qu'on est bientôt à la fin du match, non? Oh là, France 2, Irlande 1. Ah, qui, tu peux nous dire qui a marqué C'est Griezmann. Non, il est... C'est Pogba avec Pourquoi ça pourrait pas être Griezmann? Il est buteur aussi, Griezmann? Oui. Ah, c'est Griezmann. Oula, mais frère, n'arrête pas de... Est-ce qu'il y a une main d'un Français pour... Oh, t'es pourri. C'est Griezmann. C'est Griezmann, c'est Griezmann, c'est Griezmann. J'aime bien Griezmann. Ah, voilà. Donc maintenant, regarde, Kitty, je vais te montrer. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure. Donc là, tu vois, il protège une petite fille qui est là. Et en fait, il la protège, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, je suis là pour la sauver. Voilà. Et donc là, je la sauve. Ce qui me confère un bonus pécunier non négligent, mais aussi... Non négligeable. Mais aussi de la vie. De rien, petite fille. Tu peux aller en paix maintenant. Dis à toutes celles que tu rencontres que Ems t'a sauvé. N'oublie pas de le dire au Big Daddy, surtout. But de Griezmann, oui. Attends, t'aurais dû parier, Manon. Ah, je le savais. Et regardez, après, elle s'en va comme alien dans le conduit. Elle a du mal à bouger, je sens qu'on peut l'aider. On peut l'aider? Non, c'est bon, j'y arrive. Bon, faut toujours que je prenne mon troisième machin donc en photo. Apparemment, si Diego 12478 te dit que t'es trop gentil, c'est que lui, il avait choisi de les bouffer, les filles. Ah, mais je suis sous influence. Genre, c'est de ma faute. Non, mais c'est un choix que j'assume pleinement. C'est Griezmann, je le savais. Oh là là, t'aurais pu mettre un peu d'argent là-dessus. Hein. Je ne parie pas d'argent. Je trouve que ça visse le jeu. Visse? Mais du verbe visser. C'est quoi le verbe vissi? Ah, du soin. Allez, soignons-nous. C'est quoi l'objectif? Alors là, l'objectif, je dois prendre en photo trois trucs qu'il y a au plafond. Trois plafonniers. Trois gros hommes plafonniers. Là, il y en a en haut. Ah bon? C'était les ampoules. Enfin, les... Hein? Des plafonniers. Ah putain. Tu sors. Donc, on va regarder la carte. Est-ce qu'ils sont indiqués? Non. Génothèque, blablabla.
Bon, là, je crois que j'ai tout fait dans ce secteur-là. Hein. Ah, plafonnier. Ah non, c'est... Donc là, je dois... Trois chromosomes, enfin, le premier se trouve sur le quai, en haut, juste sous la capitainerie. Le second est à la taverne de Fighting McDonald, chambre 5. Et le troisième est dans la station Jeff Postal. Donc, on va voir à la chambre 5. Ah, bah, c'est là, la chambre 5. Ah, je vois pas de plafonnier. Ou alors, je l'ai sorti sans faire exprès tout à l'heure. Peut-être que si j'ouvre le coffre, ça fera sortir le plafonnier. Ou alors c'est pas ça la bombe, c'est pas ça la chambre 5. Peut-être que je vais essayer d'ouvrir le coffre. Même si je trouve que c'est un truc de timbré de nous faire faire ça comme ça. Ah ouais, d'accord. En plus. Ah bien là. Allez, il me faut encore un horizontal. Un horizontal, s'il vous plaît. Un horizontal, un horizontal, un horizontal. Ah ! Non ! Un horizontal ! Yes ! Carton rouge pour l'Irlande. Penalty. Ah ouais, d'accord. Donc c'est fini pour les pauvres Irlandais. Ah, des chevrotines ioniques. Bon, en tout cas, il a pas l'air d'être par là. Donc, pourtant, si on regarde sur la carte... Ah, Duffy ? Oh, il n'y a pas pénalty finalement. Fighting McDonald. Donc j'ai fait, je pense, j'ai fait celui de Fighting McDonald. Mais il y a quand même un carton rouge, hein. Il y en a un, il a été méchant. Alors, attends. Donc, le premier se trouve sur le quai en haut, juste sous la capitainerie. Mon premier est un... Alors, la capitainerie... On dirait une devinette. Où est la capitainerie ? Darwin, il a des frères qui n'ont pas compris. Ah oui, parce qu'il demandait un penalty peut-être. Donc pour aller à la capitainerie, il faut que je prenne l'escalier qu'il y a là. Ensuite, je prends l'escalier qu'il y a là-haut. Ok. Bon, déjà, on va prendre le premier escalier que je vois. Oh là là, mais Darwin, mais tu oula. Tu déchires ce soir, tu déchires. Déchires quoi? Ben, en roulette. Non, c'est pas ça l'escalier. Donc, on reprend l'escalier, on redescend. Il a raison, Diego, c'est stressant le truc du puzzle là. Je trouve. C'est stressant. Ça fait monter le stress. Oui. Donc là, je vais tout droit et puis à un moment à droite. Oh, il y a des gens. Oh, comme quand je gaspille mes balles. Alors, où suis-je par rapport à la carte maintenant? Ok, on continue par là. Il va rester les Irlandais du Nord alors que les Irlandais du Sud vont perdre? Ils ont gagné l'Irlande du Nord hier, je sais plus. Je sais pas, je suis revenu. Voilà. Ah, ça revient encore par ici, mais c'est pas par là que je devais aller. C'est par là. Je crois pas être allé par là encore. Hein. Alors là, j'ai peut-être gaspillé un peu d'argent. Hein. Donc. Ah, Griezmann a fait en sorte que le but n'ait pas lieu, quoi. Donc la capitainerie. Donc il faut que je remonte tout au fond. Ah, c'est de pas trop gaspiller les munitions. D'accord. Mais moi, je suis un flippé, donc. Ah oui, lui, il gaspille. Moi, je gaspille, je suis un gaspilleur, je suis un gâcheur. Je le suis pas dans ma vie, hein. Ça s'ouvre pas cette porte? Ah, peut-être qu'avec la télékinésie on peut l'ouvrir. Non, Ragnam! J'ai pas la télékinésie avec moi. C'est pas un boulet, Griezmann. Voilà, peut-être qu'il faut que je monte. Ah oui, je peux monter par là sûrement. Ah mais c'est le premier, c'est celui que j'ai déjà eu. Donc j'ai eu le premier.
C'est un ver canard, Darwin. J'ai eu le premier. Le second est à la taverne. Et le troisième est à la station jet postale. Ah, ou alors moi j'ai pas le même ver parce que c'est pas fluo. Je vois pas la même chose que Darwin. Tu vois quelque chose, toi? Le ver de Diego. Ah oui, non, moi je le vois vert foncé. Ni vert canard. Ah! Attention, bon. Ragnam, à ce que tu dis. Attends, je cherche du coup jet machin là. C'est où jet? Jet postal. Ah, mais c'était là où j'allais. Donc on revient sur nos pas. Mais c'est qui le gars FR qui a dévié la base de la blague de Griezmann? Ouais, c'est bon, je suis dans la bonne direction. Titiline, elle le voit rouge. Oui, mais en fait, ça dépend de ta configuration. Tu peux le voir de couleur. Waouh, on est en train de faire une étude. Si ça se trouve, on n'a pas les mêmes bâtonnets dans les yeux. Ils ne sont pas placés au même endroit, vous voyez. Ah, tu vas pas nous faire le coup de la robe bleue et. Non, c'est pas là. C'est pas... Non. Ah. Oh là là, il y a du monde. Voilà. On va essayer de ne pas gaspiller, alors on va essayer de. Bon, c'est toujours ça de fait. Qui c'est qui chante là? On croirait une comptine irlandaise. Qui chante? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais dans le jeu, hein. C'est quoi ça là-haut? Oh des... Darwin. Quoi Darwin? J'espère que c'est une blague. Bah il peut ne pas le savoir. Si, il est obligé de le savoir. Non. C'est son programme de première. Non, c'est un programme en... C'est un programme de seconde. Si c'est pas ça, c'est qu'il a pas révisé sa physique. C'est un SVT. Bah, non, c'est en première L qu'il faut. Ah c'est lui! C'est lui que je dois prendre en photo. Non mais les connes et les bâtonnets, ça prend en SVT, hein. Bon, heureusement que même mort, ça compte. Yes! Mission accomplie. Pénalité sujet décédé. Ouais, mais ça, on s'en fout, en fait. Ah, t'as peut-être fait une pénalité, quand même. Oui, mais c'est une pénalité parce que ça accorde des bonus de prendre en photo les ennemis. Ok, bon, je vais fouiller un peu le coin et je vais aller rejoindre les pêcheries fontaines. Ah merde, une caméra ici. On va attendre que ça disparaisse. Le saviez-vous, nous avons des cônes et des bâtonnets. Ah, il faudrait qu'il y ait des gens qui te les... qui le... On va attendre. Qui l'explique ça bien. Non, oh, merde. On regarde sur internet des trucs un peu de physique, enfin. Ah oui, on peut vous recommander la chaîne Y Penser, mais bon, c'est assez bon, connu. C'est assez, tout le monde la connaît cette chaîne, mais voilà, Y Penser, bah, il en parle un peu de pourquoi le rouge nous agresse, la couleur rouge est agressive pour nous, pourquoi. Bon, on va attendre les 10 secondes à l'abri. 7. 6, 5, 4. Oh, ça revient. Voilà. Je peux revenir là. Désolé, là j'étais pas terrible, j'avoue. Ah, on pouvait désactiver les sécu. Ouais, mais ça m'intéresse pas, c'est trop cher. Oh non, encore un autre. En tout cas, tu le sauras, Darwin. Oui, le rouge nous agresse. Si tu le sais pas, c'est que... Non. Pas en règle générale. Mais si bon. Le rouge est agressif, c'est parce qu'on le voit moins bien. J'ai un objectif. Par contre, j'aimerais... Voilà. On en pirate de temps en temps. On les appelle Kiki dans ces cas-là. Hop, une petite sauvegarde. Ok, tout va bien. Kitiline, voyons.
Le rouge est une couleur sexuellement provocative. Bon, c'est grave. C'est bien les choses sexuellement provocantes. Provocantes sexuellement? Oh! Est-ce qu'il est avec une petite sœur? Non mais Darwin, si tu as le droit d'aimer le rouge par exemple. Hein. Non, il n'y a pas de petite sœur avec lui, donc on le laisse tranquille. Ah, c'est un Dalek. C'est parce que quand nous étions encore des petites bestioles qui vivaient dans l'eau, nous ne voyions que du bleu autour de nous. Et du coup, le... D'où le rouge. Le rouge est pour nous une couleur peu habituelle, normalement. Mais alors, c'est ancestral, hein. C'est depuis la création de... Ah ça y est, Ragnam, il est parti dans le match maintenant. On a perdu Ragnam. J'adorais le rouge, j'aime plus. Ah mais oui, mais en même temps, je crois que Ragnam, je sais que Ragnam, il parie... À lui aussi au boulot? Au boulot, ouais. Donc son intérêt est décuplé. Qu'est-ce que ça dit maintenant? Est-ce que tu peux lire pour moi? Parce que là, je peux pas... Alors, Céline dit « J'adore le rouge, Darwin. C'est vrai que l'autre jour, je regardais The Village de Mr. Nightshire. » C'est qui dit ça? C'est qui, Céline? Darwin. Ah. Chamalan. Et il disait que le rouge, c'était la mauvaise couleur. Et Ragnam, non, je suis dans République. Ah oui, c'est vrai. La République d'Irlande. Darwin, non. Moi aussi, j'adore le rouge et le turquoise aussi. C'est joli, le turquoise. Mais toutes les couleurs sont... Enfin, toutes les couleurs sont... Non, le jaune moutarde, c'est pas joli. Va dire ça à quelqu'un qui aime le jaune moutarde. Je suis sûre, il y en a. Mais personne n'aime le jaune moutarde. Oh, bon, ou la couleur cacadois, alors. Déjà, rien que le nom, ça montre que c'est une couleur que personne n'aime. Moi, j'aime le vert. Le vert irlandais? Tous les verts. Ah, il y a un bourrin là. Le vert feuille. Tiens, tu vois, Darwin aime le jaune moutarde. Ouais, non mais Darwin, mis à part. Darwin, il aime toutes les couleurs. Parce que Darwin, c'est l'ami des couleurs. Il est mi-homme, mi-arc-en-ciel. Il y a très peu de vêtements de cette couleur, mais aussi parce que ça ne va pas au teint. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je perds des vies? On m'a apparemment... Ah! Oh, je l'ai bien blessé celui-là. Mais il est tout seul? Il n'y a pas de petite sœur avec? Petite sœur... Oui, la fiche de Kill Bill est jaune, c'est pourtant pas... Oui, mais c'est pas forcément moutarde. Oui, non. Il fait partie de 230%. De 30% qui aiment le jaune moutarde. Il y a une statistique pour ça? On peut faire un sondage. Qui parmi nous aime le jaune moutarde? Moi, j'aime pas. Manon? Moi, j'aime pas trop. Mais c'est la couleur des budets, un peu. Enfin, il est plus jaune d'or. Kitiline? C'est la couleur du vieux budet. Donc, pour l'instant, on est 100% de gens qui n'aiment pas. Bon, Darwin, 33% de gens aiment. Kitiline aime. 50% des gens aiment. Vous avez vu comment je fais des sondages et des pourcentages à la... Tiens, Diego qui est avisé, non, c'est pas beau. Nous dit c'est pas beau. Ben voilà, donc voilà. On est... Ah, alors, étouffe le bruit de vos pas, augmente les dégâts d'attaque de mêlée sur les ennemis par surprise. Darwin, faut pas la manger à la cuillère, la moutarde. Hein. Ah, tu vois, Kitiline n'aime pas non plus. Ah, d'accord. Bah, du coup, ça... Ouais, on est à moins de 20% là. Hein. Aïe, on m'attaque. Ah, c'est un sac que je cherchais tout à l'heure. Oh, mais c'est coriace. Tu ferais mieux de nous dire ce que tu n'aimes pas comme couleur. Je crois que lui, il est sensible à l'électricité. Il est où? Mais non, je veux pas le prendre en photo. Bon,
je m'en vais parce qu'il va me tuer. Et qu'en fait, c'est tout à fait évitable. Non, on n'a pas... Si, on a terminé. Tout va bien, au revoir. Laisse-moi tranquille. Comme dirait le rappeur Mbellic, laisse-moi tranquille. Ah, ben voilà, c'est là. Quoi? Oui, on a des photos pour toi. Bleu marine aussi. Le marron et vert cacadois. Kikiline, elle dit navy blue, oui. Bon ben voilà, 100% des gens n'aiment pas le marron, le vert cacadois. Voilà. Le kéki. Moi ça me dérange pas. Ah, ça va bien avec le rose. Non, le kaki. Non, faut arrêter avec ça. Non. Un petit conseil avant que vous... Bon. Ah bon ? Moi j'aime bien le marron couleur bois. Ah, ça c'est cool. Enfin, le bois quoi. Ah mince, il me faudrait du feu, j'ai pas du feu avec moi. Oh, Darwin, tu aimerais mes toilettes. Ah bah je peux mettre. Couleur rouille. Pourquoi est-ce que ça, j'en ai un qui est bloqué, pourquoi je peux pas le débloquer ? Ah mais si, c'est parce que j'ai déjà quelque chose, d'accord. Je croyais que c'était un cadenas pour dire que c'était verrouillé. Là du coup, je vais prendre le feu. Et on va hop cramer ça. Voilà. Et comme ça, je peux récupérer. Mes toilettes, elles sont toutes couleur rouge. Oh, j'avais lu couleur couille. Désolé, Darwin. Bah, surtout qu'il y a plusieurs couleurs à ce genre. Deux plaques de surcharge en moins lors des piratages. Ah, c'est quoi les plaques de surcharge? Ah, c'est les trucs qui peuvent me péter à la gueule, non? Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. À voir après pour plus tard. C'est bon, ce cadavre il est fouillé. Donc je dois poser mes armes là-dedans. Objectif atteint, laissez vos armes. Maintenant, j'avance. Je ramasse. Ah! Voilà. J'ai un outil de piratage automatique. Je sais pas à quoi ça sert, mais je suis sûr que ça peut être très sympa. J'ai pas d'armes, mais j'ai quand même avec moi... Mais j'ai des idées. pas d'armes. Non. Je vois rien. C'est normal. Ah, je vois rien. Au secours. En plus, j'ai pas d'armes. Oh là là. Et j'ai plus... Non, c'est pas ça. Arc électrique, balance la sauce. Voilà, et toi, on va te pirater. C'est pas terrible ce que je suis en train de faire. Oh là, je galère. C'est la fatigue. Non, non! Oh, t'es nul! Moi, je t'ai vu le faire, mais bah... tu l'avais dans ton... T'es nul! Oh, non, là, t'abuses! Tu l'avais, en plus, l'autre! Bon, courage, fuir... Mais oui, je l'avais, c'est bien pour ça que j'ai validé! Oh. J'étais persuadé que je l'avais mis. Oh, putain, ça tire de partout. Oh là là, mais je croyais que j'étais rentré dans un endroit où... J'étais en terre alliée. Est-ce qu'il faudrait mieux pas que je meure, en fait? Je vais me laisser mourir, parce que je suis courageux. Voilà, je me laisse mourir. Ah, je l'avais dit, hein. Je suis un slow runner, un slow walker même. J'ai envie de dire. Un walking dead. Un walking dead, voilà. Moi, je le verrais bien. Deux. Les huit salopards.
Bon, on va y aller doucement. Parce qu'ici, on sait maintenant que ça peut péter à tout moment. Donc, on va éviter les lumières rouges. Oh là là! Sortir, récupérer mes munitions, parce que là c'est juste un scandale ce qu'on me fait subir. Salut Justin Chinudude. Justiro, non Justijo Chinudude. Raté. Ah voilà, crame. Alors ça on va désactiver, voilà, j'ai désactivé. Oh là là. Mais c'est vachement chaud. Pourquoi ils me font ça? Ah bah il y en a, il crame. Bah, je gaspille tout mon truc là. Ah mais là il y a de l'essence là. Aïe. Toi, t'as foutu du feu partout là où il y a de l'essence. Bah oui. Je comprends rien. Peach Wilkins vaincu. Ah, je l'ai vaincu. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai gaspillé toute ma vie, mais. Tu es mort. Je suis mort, mais j'ai quand même tué. Machin. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, il est piraté. Ah non, je vais le pirater, comme ça il sera avec moi. Ah, mais c'est celui que j'ai essayé de pirater tout à l'heure, non? Faudrait des... Voilà, des comme ça. Voilà. Il te faut de la vie. Oui, il me faut de la vie. Et pour avoir de la vie, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut... Enfin, non, j'en ai de l'argent, en fait. Donc maintenant, il faut que j'aille là-bas. Là, je crois que je serai moins agressé. Et là, je peux acheter des soins. Non, non, on va pas pirater ça. Par contre, voilà. Tu n'as pas l'intention de construire ta maison dans mon truc, quoi. Dis donc. Parce que ça va pas le faire, sinon. Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi je suis sans munitions? Mais c'est des malades. Ah, mais j'ai mon copain avec moi. Ça, c'est cool. Et là, on peut ramasser le pistolet. Ah mais du coup on repart à zéro en fait, on a donné toutes nos munitions et on repart à zéro. D'accord. En fait je me suis fait avoir mais comme un con. Je récupérerai jamais une munition. Ah merde, il est là. Merci Wisebot. Ouais, lui c'est plus Kiki, c'est Wisebot. On va essayer de passer par l'autre côté. Ah, mais c'est pareil! Mais elle est où la caméra? Il y a une caméra qui me repère, j'aimerais la voir. Ah, je crois qu'elle est là. Ah merde, y'a lui là-bas. Oh là 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 là.
Mais je l'ai foudroyé. Je t'ai foudroyé. Voilà. Pardon, je me suis un peu emporté. Voilà, maintenant elle a foutu une bête dehors et elle est rentrée aussitôt. Bon. C'est la vie. Ah, écoute, tant pis, tu perds ton temps. Ah, ça doit pas être bon. De. Le nougat aux cacahuètes. Non. Pourquoi pas. Ah, remarque. Le sneakers. Voilà, j'ai une autre tourelle avec moi. 3 minutes de temps additionnel. Ok, merci pour l'info. Pourquoi je me fais tirer dessus là? Bon, très bien. Merci les caméras. Ah non, non, pas les caméras. Je voulais dire, désolé les caméras. Alors elles sont où les caméras? J'arrive pas à voir d'où vient la lumière de la caméra. Ah, c'est là-bas. D'accord. Alors. Oui, il y a du chocolat, il y a du caramel, il y a des cacahuètes et il y a une sorte de pâte un peu à nougat, non? Ah bah tiens, mon Kiki, il allait attaquer la caméra. Ah ah, bien fait. C'est bien, Kiki. GG, Kiki. Merci. Alors, ah une semaine sur deux, le dimanche, il joue à BioShock ou Alien. Alien, Alien qui devrait être en phase enfin de finir bientôt. Car j'ai commencé avant Pâques, hein, donc il y a un petit moment maintenant. Quant au mercredi soir, j'ai récupéré mes armes. Sur deux, il joue à Murdered. Murdered, Soul Suspect. Et l'autre semaine Ah bah pour l'instant rien en fait. Donc, il a pas encore décidé. Normalement c'est un coup un jeu poétique, un coup un jeu un peu de suspense et de frisson. Enfin, ouais, comme un Kiki le singe. Oui, comme Kiki le singe. C'est moi Kiki. C'est moi le kiki de tous les kiki. Sinon, après, kiki. Nous jouons à d'autres jeux, mais... Le matin, je joue souvent à FF9 parce que je dois rattraper une sauvegarde perdue. Je dois récupérer le 4ème CD que j'ai perdu lamentablement ma sauvegarde en reformatant la Play. Et je suis au 3ème CD, donc je joue régulièrement. Je joue aussi à Shadowgate en rétro l'après-midi de temps en temps. Alors souvent avec Psychalide et CMGES qui ne sont pas là... Oui, Yarny nous a quittés. Excuse-moi l'accent. Il n'est pas compris. Quel accent? Quel accent? Alors. C'est nous on a un accent. Oui, nous on a un accent. On a un accent? J'avais jamais eu d'accent, je suis con. Mais si, t'as un accent. Oui, mais quand j'étais petit, j'en avais pas, je savais pas où. Je savais pas quel accent. On croirait un petit conte pour enfants, la fille sans accent. Non, je vais pas te désactiver. Yarny nous a quitté. Bah oui, on l'a fini en enfin, fait. Il a fini. Oh. Alors par contre, nous. Murderwell Soul Suspect. Il est très mauvais notre accent anglais. Prefiero el castellano. Il doit pas être très bon non plus ton accent. Naranja. Pourquoi ça sort de là? Porque... Alors, nous, on fait très mal les accents. Oh, lui, il est mort. Vous voulez un accent ou je le fais mal? Bon, bah écoute, GG l'équipe de France. Ah ouais? Elle a un accent belge. Quoi, j'ai un accent belge, ça va pas? J'ai un accent belge. Je n'aurais rien d'ailleurs contre le fait d'avoir un accent belge, mais le fait est que j'ai pas un accent belge, je suis pas belge. Je suis allé là? Oui, c'est là où je viens. Est-ce que tu es allé là? Ah, là c'est fermé. Ah, c'est peut-être parce que c'est givré. Donc, on va utiliser le feu. Le feu!
Mais maintenant j'ai un accent, mais j'en avais pas quand j'étais. Ouvre-toi à porte. On va utiliser le feu. Ah, c'est un cadavre qui a été ligoté et congelé. C'est original. Ouh, ça rapporte du pognon, ça. Ouh, j'ai bien fait. Une mémoire d'éléphant, Darwin. Est-ce que c'est de la porte que je viens d'ouvrir? Oui, donc ça c'est la porte que je viens d'ouvrir. À cause de son accent? Non, parce que je parlais trop et après, alors j'ai un accent. Oui, qu'est-ce que c'est? Un aspirateur. Mais il y a bien un truc à faire là-dedans. Bon. Ah, il y a un fond. Ah mais oui, c'est là où j'ai pu récupérer mes armes. Mais là-bas, il y a une autre porte que je n'ai pas vue, donc je vais aller voir la porte que je n'ai pas vue. Évidemment, elle est congelée. Ciao, ciao, Kitty Lynn. Oh là là, j'avais pas vu. Excuse-moi, je regardais le chat. Oui, normalement sur YouTube, ma chaîne porte exactement le même nom qu'ici. Alors... Généralement sur ma chaîne YouTube il y a les replays de mes anciens lives, mais aussi pas mal de choses, de vidéos où je fais de la musique, où je fais des deviner des trucs. Alors okay. Enfin, non, parce que ça deviner des trucs c'est que sur Facebook que je fais ça, mais des chansons en jeu, des chansons à thème et mots imposés. D'ailleurs c'est un petit moment que je n'ai pas fait de chansons comme ça. De la guitare. Bon goûter. Il se passe pas mal de choses. Ah bah. Il y a le Wastebot qui. C'est parce que c'est Ragnar. Ah, c'est un... J'allais dire, il est fort ce Wastebot. C'est Darwin, il rend intelligent à force de lui parler. Oui, moi je peux le donner. 2-1. Est-ce que ça... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Non, je... Qu'est-ce qu'on avait parlé, nous? J'avais parlé de la victoire de la France d'un but. Donc on a le bon écart? Ouais. On a le bon écart. Normalement, ça devrait me rapporter 4 points. Ha. Oh là, qu'est-ce que c'est? Tout le monde va avoir voté pour la France. Et on est peut-être pas mauvais cette année. Ouais, t'as vu? Non, il est pas poli, Wastebot. Allez, on va cramer ça. Je crois qu'il y a un passage là, non? Ouais. Oh, voilà, on passe. Ah, Ragnar, t'as perdu. Il n'est vraiment pas sympa, ce Wastebot. Hein. Ah! Oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu un truc comme ça. Je savais même pas qu'il y en avait. Eh, mais non! Ah oui, j'ai oublié de boire mon coup et de manger mon gâteau, moi. J'ai entendu de me dire, mais il est tard, en fait. Bah oui, moi j'ai mangé mon gâteau et j'ai bu mon... Je profite du temps de chargement pour manger mon morceau de gâteau. Citronade. Oui, parce qu'il faut savoir que tous les dimanches, à cette heure-là, on goûte en même temps qu'on joue. Ça fait partie du rituel. Du rituel. À votre santé. Et toi, Diego, à quel jeu joues-tu? Oui, il est 17h, je sais, il est tard. Outre Bioshock que tu as fini en 2-3 jours. Mm-hmm. Merci, il a dit. Voilà, c'est ça, merci. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est bon, mon gâteau yaourt. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça commence à ressembler à Outlast maintenant. Ah, un petit point de sauvegarde.
Ah, maintenant, il y a de plus en plus de génothèques. C'est parce qu'on doit nous solliciter pour récupérer... Pour utiliser différents... Oh, d'accord, je te rouvre. T'es pénible, hein. À qui? Mais la guêpe. Ah, je croyais que t'avais enfermé le chat dehors, moi. Mais non, non. Oh là. Voilà. T'es contente? Tu vas pouvoir passer, repasser. Je m'en fous, quand je passe ma deuxième couche de vernis, tu vas sortir. Voilà, hop, on va retrafiquer ça. Je m'excuse, mais merde. On ne se sert pas de mon meuble. Comme d'un nid. Comme d'un nid. Zut alors. Comme bandit, non. Ben non, mais après elle va croire qu'elle peut se mettre dedans. Mais elle peut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles à la guêpe, là? Oui. Pourquoi pas? Non, 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 non! J'en ai marre de me faire... Ah, mais en plus, ça revient, ce truc! Bon, bah, alors, on va le soigner. J'en ai marre. Tiens, ça fait deux fois que je me fais avoir comme ça. Quoi? Je te l'avais dit que c'était Pogba qui avait fait une faute. Avec ses, oh, pieds, en sav... avec ses pieds en savonnette. Ça m'étonne pas. Le trompage de bouton. Donc tu joues à LOL. Hein, ma soeur et son petit copain jouent beaucoup à LOL et ils ont l'intention de faire une chaîne YouTube. Alors j'ai dit que j'en parlerai à l'occasion. Dédiée, alors pas qu'à LOL, mais beaucoup à LOL et à Pokémon. Ce sont deux passions qu'ils ont en commun. Et ouais, ils sont bien, ces petits. Non, ils sont plus petits en plus. Ils sont bien, ces grands. Pogba, c'est un joueur, Darwin. Ouais, avant d'appuyer sur le triangle, hop. Ah ouais, ça fait deux fois que je me fais avoir comme un con. C'est nul. Moi j'avoue que je connais pas très bien LOL, alors je connais un peu mieux Pokémon. Et je pense que je profiterai des vidéos un peu de... Ah, une vodka. Voilà, la vodka, ça a pas bon effet sur moi. Tu vois Darwin, pourquoi il faut pas que tu boives? Dimanche, il y a la... prochain. Tu es belge? Dimanche, des... non. Pas ce dimanche-là, dimanche prochain. Ça m'étonne, il y aurait tant de temps entre les... Oh, mais j'arrête pas de voir, je suis... Ah non, dimanche aujourd'hui. Hongrie, Belgique, c'est ce soir. Oui, ce dimanche, donc c'est aujourd'hui. Oui, puisqu'on sait pas à l'avance ce qu'il va y avoir le dimanche prochain quand même. Bah non, je crois que tous les matchs de... Ouais, mais il y a de l'alcool ici, mais c'est... On est en Russie. Non mais on te croit. Il y a de la neige et de l'alcool. On te croit, Darwin. Donc toi, Diego, tu es plutôt pour la Belgique alors? D'accord. J'ai un collègue qui dit qu'ils ont leur chance. Hein. Qui, la Hongrie? La Hongrie joue super bien. Ouais, mais il y a un collègue qui a dit cette année ce sera la France ou la Belgique. Ouais, non, mais tout le monde pense. Ça fait déjà deux compétitions qu'on pense que que la Belgique peut faire quelque chose. Et... Le problème de la Belgique, c'est devant, il n'y a rien. Ah d'accord, écoute, bienvenue à toi alors, ami belge. J'ai vécu beaucoup de bons moments avec des Belges, comme disait le célèbre entraîneur de foot Laurent Blanc. Oui, je cite, je suis très citation. Ah, tu habites en Belgique mais tu n'es pas belge. Ça arrive. Moi, ça aurait été très bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? On voit plus rien. Est-ce qu'il faut que je sorte? Non, je peux pas, évidemment. Nous, on est français et on habite en France.
Oui, bon, bah, rien de bien. Pas mal, je Brexit. Je Bruxite même. Pour faire Bruxelles. Je Bruxite. Parce qu'on dit Bruxelles. Bruxelles, ma belle. Qu'est-ce qui se passe là? Darwin, il a... Attends, j'essaie de lire. Si seulement votre ami pouvait lever les yeux. Au lieu de vous regarder mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Raté. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, ça y est. Hop, petit point de sauvegarde. Bah, je sais pas, tu dis les citations là, là, là. Et... Bah, parce que Darwin, il aime bien les citations. Oui, mais les citations. Oh là là, un lapin. Un lapin? Ouais. Mais je les aime pas, ceux-là. C'est ceux que je devais prendre en photo. Hop, on prend. Oh là, je me suis trompé d'arme. Bon. Merci Ragnar. Ah bon? Mais il est pas sur ma page YouTube? C'est toi qui l'avais chargé, hein. Moi je te laisse charger tes trucs pour éviter qu'il y ait des. Débrouille-toi. Moi j'ai un alien qui a disparu. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé. Oh! Oh là 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 là. Bon, ce que je vais faire, ce que je fais de mieux d'ailleurs hein, dans les jeux, généralement c'est là où je m'en sors pas trop mal, c'est quand je fuis. Mais on avait compris, Darwin. De quoi? Que tu avais cette chanson dans la tête depuis ce matin. Quelle chanson? À bicyclette. Ah bon? On avait compris ça? Mais excusez-moi, des fois j'ai pas le nez sur le chat parce que le Non, il est obligé de jouer sur PS3 parce que BioShock et BioShock 2 ne sont pas encore sortis sur PS4. Ouais, d'ailleurs je crois. Il devrait sortir sur une version. Dans pas longtemps. Une version compilation. Alors, je sais pas si c'est dans pas longtemps, mais en tout cas il me semble que ça a été plus ou moins prévu. Mais pour l'instant non. Donc je joue sur PS3 et c'est pour ça que j'ai pas forcément le chat sous les yeux. J'ai le chat sur mon ordinateur en bas. Et je joue avec une carte d'acquisition pour le streamer. Si j'aurais pu jouer sur PS4 avec le système qui n'est pas accessible en France de streaming de jeux. Ah bah oui, mais il n'est pas en France. Non, mais j'aurais pu avec mon compte canadien. Ah. Mais non, Darwin, il fait pas trop chaud. Oh si, il fait chaud. Oh, qu'est-ce que vous allez dire quand on va être en plein août? Eh, j'avance pas trop mal là, hein, c'est pas dégueu. Depuis que je fais des économies de munitions. Partie sauvegardée. Bon, ça c'est déjà très bien. Ça fait longtemps que t'as pas rencontré de Big Daddy. C'est vrai, ça. Il n'y en avait pas dans le secteur là-bas. Big Daddy. Fais attention, hein, avant de partir, il faudra que tu les aies tous tués. Enfin... J'oublie tous les mots. Oui, Darwin? Oui, parce qu'il a dit pff, il est trop chaud. Ah oui. Ça se comprend. J'avais compris. Enfin, voilà, on comprend. C'est celui de quand d'Alien qui tombe. Celui, le premier que j'ai fait sans Daniel. Donc. Je crois que c'est c'est celui où j'ai le plus galéré. Il y avait la semaine dernière. Normalement, c'était le 9e. Et la semaine encore avant. C'était la 9e session. Ah, j'ai bu du whisky, c'est pas bon ça. Bah, la semaine dernière, il y avait un alien. La semaine d'avant, il y avait un BioShock. Et la semaine encore avant, il y avait ni l'un ni l'autre. Donc ça a été la semaine. Ah bon, il y avait ni l'un ni l'autre? Ah, si. Non, j'ai jamais sauté. Si, c'est le mercredi que j'ai sauté. Et la semaine d'alien, donc. Oui, oui, je fais des économies. Là j'aurais pu tuer plein de gens et je l'ai pas fait. Plein de gens, de crozomes. Peut-être. Si, c'est fort possible. C'était il y a 3 semaines. Si, c'est celui où juste après tu t'es mis à streamer. Mais c'était pas MGS? Non, c'est peut-être Tomb Raider, t'as peut-être raison. Oh
pense qu'elle a pas aimé. D'où ça tire, d'où ça tire, d'où ça tire. Je me cache. Raté. Voilà. Propre, ça plairait à SMGES. Je m'en sors pas si mal. Oui, d'ailleurs, donc il faut savoir, Diego, que l'ami Ragnam ici présent partage cette chaîne avec moi. Donc de temps en temps, c'est lui qui joue à des jeux. Par exemple, à Alien, il joue à quoi? Il nous a joué à Portal et Portal 2. Firewatch, qui est un jeu qu'il aime bien et qu'il nous a fait partager et qui était très plaisant à suivre. Metal Gear Solid, Tomb Raider. Ah oui, il y avait un jeu, moi j'ai pas trop accroché. Un jeu d'algorithme. Comment il s'appelle déjà ce jeu, je sais plus. C'est bien Darwin, un repas de famille de temps en temps. Ouais, on est des joueurs éclectiques. On joue à pas mal de choses. Et d'ailleurs, normalement, moi, les jeux d'action, c'est pas forcément. Ni les jeux d'horreur, c'est pas forcément les jeux auxquels je joue beaucoup. Et je me suis trouvé un peu cette excuse, ce prétexte des streams pour refaire un peu ma culture à ce niveau-là. Parce que moi, en dehors des Resident Evil, des deux premiers Resident Evil, les jeux d'horreur par exemple, je connaissais pas vraiment, j'ai pas beaucoup joué. Shadows of the Damned. J'avais fait aussi, ah oui, Human Resource. J'avais fait, comment ça s'appelle, Alone in the Dark. Que j'aimais beaucoup. Moi, Alone in the Dark, un jour j'avais essayé. Et j'ai pas réussi. Non, maintenant il croyait que le chien venait lui lécher la main alors qu'il venait la bouffer. Oui, et du coup, par un procédé miraculeux, le chien s'était retrouvé sur moi. Enfin, contre moi. Ce qui fait qu'avec la jouabilité, hein, inversée, eh ben, je n'arrivais plus à lui tirer dessus. Est-ce que je viens de là-haut? C'était oui, je crois possible. Que je viens de là-haut. Hein. Oh là! Oh là! Oh, mauvaise idée. Bouh. Et du coup, j'étais morte et j'en avais marre. Et puis, je m'étais retrouvée... Après, j'avais essayé de jouer avec l'autre, celui qui a même pas de flingue. Et j'avais pas... On a j'avais fait... Qu'est-ce qu'on a fait comme jeu d'horreur? On a fait Outlast. On a fait Resident Evil. On a fait Alien. On a essayé les... Ah, mais les... Outlast, les... J'ai hurlé comme... Comme un petit enfant. Oui. Tu as essayé la prêtresse des eaux noires? Ah oui, j'ai essayé la prêtresse des eaux noires, mais on a arrêté au bout de deux trucs parce qu'on n'a pas vraiment accroché. Moi, j'avais pas si mal aimé. Ouais, mais c'était très répétitif. Tu l'avais streamé, Shadows of the Damned? Oui, on l'avait streamé, mais c'était plus... C'est pas de l'horreur, Shadows of the Damned? Non. Comme American ouais, McGee Alice. Oui, c'est plutôt drôle. Fin. Oui, American McGee Alice. Ouais, Outlast, moi j'ai pas mal accroché. Et c'est. Il a même fait le DLC. Ouais, j'ai même fait le DLC. Alors le DLC, par contre, c'est du run. Hein, c'est. Je sais pas si tu connais un peu. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire là? Là en plus. Alors je vais regarder peut-être que. Je vais regarder sur la carte. Mais oui, normalement je suis censé pouvoir avancer là. Bon, en plus je vous cache pas que là j'ai des reflets énormes, alors je vais me lever. C'est pas forcément mieux. Ouais, c'est pas mal. C'est un jeu très nerveux. C'est un jeu très... Qui fait peur.
Qui fait, ouais, qui fait peur. Vraiment, tu fais un, c'est une peur. Ouais, je sais pas. D'appréhension. On dirait que c'est par là le passage. Mais c'est de là où je viens, non? Cave inondée, réserve. Alors d'où je viens, moi? Est-ce que je viens de là-haut ou est-ce que je viens de là-bas? Ah ben non, c'est là en fait, tout simplement. Ah, on a fait Folklore aussi, mais pour le moment il est en stand-by. Mais ça c'est dans les tragédies, Life is Strange. Non, c'est de là où je viens là. Donc je dois aller là-bas. Oui, Rain. Fini en... Rain. Voilà. Comment, du coup on a fait aussi, on en a parlé tout à l'heure, Unravel. 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 Oui, Darwin, tu n'étais pas là pour la fin du de Rain. C'était poétique, c'était joli, la fin de Rain. Oui, c'était joli. En plus, ça finit bien. On avait fait Beyond Eyes qui finit mal. Mais je comprends pas, mais je tourne en rond là. Beyond Eyes. Suivez les panneaux vers la station de métro dans les collines roulantes. Les panneaux. Vous voyez des panneaux, vous? Mais là, c'est de là où j'arrive, je crois. Salut, Glimja 02. Salutations et bienvenue à toi. Ah bah si, alors c'était à la fin ça. La poupée et le monstre. Ah oui oui, il est arrivé sur la dernière séance. Tu avais peut-être dû partir. Mais alors. Je crois que oui, Darwin était parti avant la fin. Non mais là je suis pas bon là. Je vais pas du tout où il faut aller. Hein. Vers le trésor. Alors, suivez les panneaux vers la station de métro. Dans les collines roulantes. Mais je vois pas un seul panneau. Ça, c'est pas un panneau. Darwin. Darwin, il est comme ce chien qui jette sa balle, qui jette la balle et qui va la chercher. Bon. Bah, je crois qu'en fait le plus simple ça va être d'arrêter ici. De toute façon, il est l'heure. Il est l'or, monseigneur. Ça, on l'a vu, le cadavre dans la caisse. Je suis où, là? Ah, je suis dans la cave inondée. Ah, je crois que c'est là. Bon, bah, je crois que je vais avoir trouvé juste avant la fin. Aïe, aïe, aïe. Condoléances. Ragnam. Je te trouvais fort sympathique. Repose en paix. Rest in peace, Ragnam. Bon, mais voilà. C'est bien. On s'arrête là. C'est parfait. Oh, qu'est-ce que j'ai tourné en rond pour rien. Oui, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, Diego, je suis un slow runner. Un slow walker. Un walking dead, comme dit Manon. Ah oui, il y a un délai. Tu peux pas en faire un de suite. Yay, j'ai eu le canard. Donc ben, je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon week-end. Donc à mercredi pour ceux qui seront là. Mercredi comme d'habitude 18h14 pour jouer à
Ah, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais on trouvera un jeu plein de poésie ou sinon on continuera Murderhead si j'ai pas d'idée. Ouais, slow mais j'ai eu le canard tout en jouant. Eh, c'est pas fort ça. Donc allez, bon dimanche à tous. C'était un plaisir encore de partager ce petit moment avec vous. Ciao, Bye bye. Au plaisir. Hasta luego.